D'habitude, on fait que des médias et on est à distance, mais aujourd'hui, vous voir tout cela, ça nous touche profondément. C'est extraordinaire. Vous êtes venus de loin, pas juste du Canada, de l'Amérique, d'Amérique du Sud, de l'Europe, du Danemark, du Luxembourg, de la France, de l'Afrique. C'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. De vous voir aujourd'hui et on veut vous saluer, vous tous qui êtes là, chers partenaires, la grande famille des partenaires de MCI. On vous salue aussi, vous tous, bienvenue à cette première inauguration de la première conférence de MCI Pentecôte 2023. Vous tous, chers partenaires qui êtes à distance, vous auriez voulu être là, mais on vous salue et on est de cœur avec vous. Et on veut aussi saluer tous nos amis qui sont là, qui ont fait un long trajet pour venir vous voir tous ici. Ça nous fait chaud au cœur, nos amis, les pasteurs, tous ceux qui ont cru en cette œuvre avec nous, tous ceux qui nous ont soutenus depuis tellement d'années. Merci. Le Seigneur l'a fait et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la concrétisation d'une vision pour la francophonie que Dieu m'avait transmise il y a maintenant 18 ans, en 2005. Et on est rentré dedans. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation. C'est un jour de joie. Alléluia. La francophonie sera sauvée. Jésus-Christ sera annoncé. Les âmes vont se donner à Christ. Les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Nous voulons prier un moment. Père, nous te remercions pour ce moment particulier. Tu vas te glorifier. Et nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Et nous prions que ta présence se manifeste dans ce lieu et déborde dans ce lieu. Nous prions pour toutes les personnes qui suivent en live. Que ta présence remplisse leur cœur et leur maison. Nous appelons la glorieuse et merveilleuse présence du Saint-Esprit à remplir les cœurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Père, nous voulons également te prier afin que ta parole fasse son œuvre au milieu de nous aujourd'hui, afin que, Seigneur, tu déposes ce que tu as prévu de déposer dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une onction fraîche. Tu as un message que tu veux communiquer. Alors aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous ouvrons nos cœurs à ce que tu veux faire et nous disons oui à ta parole, oui à ton œuvre au milieu de nous, oui à ton ministère, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons que ce week-end, ces moments sont des rendez-vous avec toi, Saint-Esprit. Qu'au travers de ce week-end, tous ceux qui nous suivent en live et tous ceux qui sont présents ici puissent être saisis, remplis, baptisés par ta puissance. Nous croyons que tu vas le faire. Nous croyons que ce week-end sera mémorable. Nous croyons qu'au travers de ce week-end, tu vas impacter et changer et transformer notre vie à tout jamais. Nous prions, Seigneur, pour un rafraîchissement spirituel, pour des dons spirituels qu'ils vont être renouvelés, communiqués. Nous prions de ne pas sortir tel que nous sommes rentrés, mais quelque chose de nouveau est en train de naître ce week-end et nous voulons le saluer en ton nom, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit et on veut prier, on veut croire que par ta puissance tu vas agir durant ce week-end, que des cœurs vont être guéris, que des vies vont être restaurées, que des corps malades vont être guéris. On veut prier que des libérations, des délivrances, que tu opères par ton esprit et nous voulons te donner toute la gloire pour ce qui sera fait. Tout ce que tu feras, nous te donnons la gloire, Seigneur, parce que tu es le même et que ceux qui le croient disent Amen. Alléluia. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Seigneur. Digne de louange. Nous t'adorons.
Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur cet après-midi? Bienvenue à chacun de vous, bienvenue en ce lieu, bienvenue chère famille des partenaires, bienvenue chers invités d'honneur, chers amis, chers pasteurs, bienvenue à chacun. Ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. À vous qui êtes en ligne aussi, nous vous saluons de la part de toute l'équipe EMC, de toute la famille des partenaires qui est ici, en ces lieux. Et nous allons célébrer le Seigneur avec Dena et Jean-Jean. Acclamons encore le Seigneur pour sa gloire. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant. Alléluia! Chanter et louer.
jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi, Seigneur. Et nous chantons Dieu. Vont déclarer ces paroles. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nos sauts crieront. Quoi? Dieu, tu es grand. Dis-le. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nos sauts crieront. L'église chante. T'entendre dire Dieu, tu es grand, simplement Dieu. Tu fais bien de l'adorer avec tes propres paroles encore. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire, nous sommes là pour toi. Cet après-midi, personne d'autre, Seigneur. Cet après-midi, personne d'autre que toi. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous venons encore en cet après-midi. Nos cœurs, nous venons laisser à tes pieds. Nous venons élever nos voix vers celui qui est élevé dans les cieux très haut. Digne es-tu, Seigneur. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Je viens. Oui, je viens me prosterner. Je viens pour te dire, pour te dire, pour te dire, pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfaitement digne. Est-ce qu'un cœur peut s'élever vers ce Dieu ce soir? Sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. Je viens.
Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, oui, c'est toi, mon Dieu. Ah, tu es admirable. Oui, tu es parfaitement digne. Tu es merveilleux, 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 merveilleux en ce lieu. Peut le chanter avec nous. Digne es-tu? C'est parce qu'il le mérite que nous le disons. N'empêche pas tes lèvres de s'ouvrir et de le dire. Rappelle à ton âme que tu n'as pas d'autre solution que de dire qu'il est digne. Alléluia. Alléluia. Thank you.
victoire. Et je dis, digne. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé personne d'autre qui soit digne comme toi. Digne de mes louanges. Cet après-midi qui dit tous les anges. Chantons gloire.
Seigneur est bon. Encore une fois, bienvenue, bienvenue à tous dans cette première séance, cette première session de la conférence Pentecôte, la toute première conférence EMCI Pentecôte 2023. Alors, je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui et de ce week-end. Mais avant toute chose, je tiens encore à saluer tous ceux qui nous regardent en ligne parce que je sais que nous sommes un bon nombre ici en ces lieux, mais il y a beaucoup plus encore qui sont à distance. Vous n'avez peut-être pas pu vous déplacer, mais nous sommes ensemble de tout cœur et je vous salue. Alors, je vais vous donner les annonces du programme de ce week-end. Comme il a été dit, nous aurons quatre sessions pour cette conférence Pentecôte 2023. La première session, évidemment, c'est celle-ci dans laquelle nous aurons un temps de dédicace, dans laquelle nous aurons des mots des amis chers à EMCI, notamment Chantal Barry et Eric Célérier, qui vont pouvoir nous dire un mot. Nous aurons également des mots des pères. Il y a des pères dans la francophonie, des pères ici au Québec qui ont tenu à nous bénir. Nous aurons la dédicace. Et la prédication nous sera apportée par le pasteur Yvan Castanou dans cette session. Nous allons continuer après ça en deuxième session en soirée. Et dans la session du soir, nous aurons encore une fois le groupe, nous aurons Dena et Jean-Jean encore une fois. Et nous aurons aussi des enseignements, des prédications. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dena et Jean-Jean? Ils sont loin. Dieu a béni, Dieu n'a pas oublié la francophonie. Nous aurons dans la session du soir, encore une fois, des messages qui nous seront apportés par des personnes de Dieu, des serviteurs de Dieu au moins. Le pasteur Marcelo Tounassi va nous apporter la parole ce soir. Il y aura également le pasteur Jérémy Sourdril et l'évangéliste Franck Poulain. Nous allons par la suite demain aussi nous retrouver pour les deux dernières sessions. La session du matin sera avec Yanis Gauthier et Audrey Mack. Et nous allons terminer, c'est la Pentecôte, nous allons finir en feu dans la session du samedi dimanche soir avec Marcel Kouamenon et le docteur Moussa Touré. Donc un bon programme vous est réservé ce week-end et comme on l'a dit depuis le début, nous croyons que le Seigneur va nous rencontrer. J'ai parlé à plusieurs personnes ce matin qui ont fait des déplacements longs. Certains sont venus d'Afrique, d'autres sont venus d'Europe. Vous n'avez pas fait votre déplacement en vain. Dieu va vous rencontrer, Dieu va nous rencontrer. Même nous qui sommes venus de Granby, Dieu va nous rencontrer. Amen. Alors, comme vous l'avez vu dans les annonces du programme, il était annoncé que le pasteur Mamadou Karambiri sera des nôtres. Il était notre orateur. Mais pour des raisons administratives au niveau visa et tout ça, il n'a pas pu se déplacer. Mais en tant que papa, en tant que père dans la francophonie, il nous a fait des vidéos, une vidéo d'ailleurs de bénédiction que vous allez découvrir plus tard dans le programme. Alors pour le moment, nous allons avancer. Et je vais parler avec mon cœur. Et je vais parler avec mon cœur et vous dire que EMCI a marqué ma vie. Vraiment, EMCI a marqué ma vie. Et je sais que je ne suis pas la seule. Mais vous savez, pour mettre sur pied une telle œuvre, ça prend une personne spéciale. Ça prend une personne brillante, une personne dotée de talent, une personne courageuse, une personne qui a une communion particulière avec le Saint-Esprit pour pouvoir écouter les instructions du Seigneur. Et Dieu nous a donné ça. Mais Dieu nous a donné beaucoup plus parce qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il nous a donné un homme humble, un homme intègre, un homme de foi, un homme de grand cœur. Alors je vous invite avec moi à accueillir le fondateur, le visionnaire de ce ministère, Michael Beau. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tellement ému. Tellement ému de ce que Dieu a fait. Ce matin, je ne pouvais pas circuler. J'ai fait plus de 200 photos. Et les gens me disaient félicitations, félicitations. Et en moi-même, j'entendais une seule phrase chaque fois qu'on me félicitait.
Je disais, mais Dieu a fait la plus grande part. On n'a presque rien fait. C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui qui nous a donné la sagesse. C'est lui qui nous a donné le faire et le vouloir. Et est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ? Parce que c'est pour lui que nous vivons. L'apôtre Paul. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père Céleste. Et le merveilleux Saint-Esprit. L'apôtre Paul, frères et sœurs, a dit, il a donné la définition de ce qu'est un chrétien. Il a donné ta définition, ma définition. Il a dit, si Christ est mort, c'est pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes, et nous vivons pour lui, et nous lui sommes tellement, tellement, tellement reconnaissants. Alors j'aimerais qu'on puisse l'acclamer encore une fois. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as fait. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. Nous ne sommes rien sans toi. Tu nous as donné une raison d'être. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier la merveilleuse famille des partenaires de MCI. On est plus de 30 000 dans le monde qui avons soutenu ou qui soutiennent cette œuvre. Et vous savez, cette œuvre, ce que vous avez vu, ce bâtiment, que vous soyez présents ici ou partout dans le monde en train de nous suivre, ce bâtiment, ce n'est pas le fruit de l'équipe de MCI uniquement, c'est aussi le fruit de votre investissement. Vous avez écrit cette histoire avec nous et c'est nous ensemble qui avons écrit cette merveilleuse histoire. Alors acclamez Dieu pour votre vie parce que vous avez cru en des jeunes petits garçons qui ne connaissaient pas grand-chose. Et dès qu'on a fait appel à vous, dès qu'on s'est levé, sans rien voir, vous avez cru, vous êtes un peuple de foi. Et tous ceux qui soutiennent cette œuvre, tous, plus de 95% de nos commentaires, il n'y en a pas un qui dit quasiment « je donne pour recevoir en retour », même si c'est une vérité. Vous tous, quand vous laissez des commentaires, vous dites « je donne parce que je veux que le royaume de Dieu avance. Je donne parce que je veux que des âmes soient sauvées. Je donne parce que je veux que des vies soient transformées. » Et ça, c'est le cœur de notre famille. Un cœur pour le royaume de Dieu. Et nous formons une belle famille. Alors, on aimerait encore, au nom de toute l'équipe, vous remercier, vous tous qui avez donné, qui avez cru avec nous. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier l'équipe de MCI. Vous savez, comme je dis souvent, je me sens comme le roi David. J'étais tout seul dans ma caverne, là, à écrire des psaumes à Dieu, à me lamenter devant le Seigneur, à crier quand c'était difficile, à me réjouir quand c'était bien. Et au fil des années, Dieu a amené de lui-même des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui les vaillants héros de MCI. Je ne suis pas le vaillant héros, mais c'est toute une équipe de plus en plus talentueux. Il les attire, il les amène parce qu'il veut l'excellence et le meilleur pour son royaume. Alors vraiment, on est fiers de vous, je suis fier de vous. Que Dieu bénisse l'équipe de MCI. Vous faites un travail extraordinaire. Alléluia. J'aimerais aussi remercier des amis précieux qui sont les représentants de MCI à l'étranger. On a Mike Magloire, notre frère, tu peux lever la main, Mike. Mireille Chimpama, Patricia Utsinou et Luc Ondias, donc nos représentants en France, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Vous faites un travail merveilleux dans l'ombre. Vous avez débloqué des situations qui étaient indébloquables et même si on ne se voit pas, année après année, même si on s'appelle peu, c'est comme si on ne s'était jamais perdu de vie. Et le Seigneur nous a connectés de cœur. Je vous aime, on vous aime, on vous est extrêmement reconnaissant. Dieu voit ce que vous faites, il n'est pas injuste, il vous récompensera grandement. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Des fois, on arrive avec eux et on leur demande de prendre des décisions de foi. Il n'y a pas l'argent et il dit « on y va ». Des administrateurs extraordinaires qui croient et avec nous. C'est formidable. Merci pour ce que vous faites. Et merci d'avoir fait ce long trajet pour être avec nous. J'aimerais aussi remercier tous les pasteurs et les collaborateurs de MCI. Vous avez fait, qui êtes là aujourd'hui, vous avez fait un long trajet. Merci d'être venus. Merci de nous soutenir aujourd'hui. Merci de nous honorer de votre présence pour ce moment historique. Parce que c'est vraiment aujourd'hui dans nos cœurs à tous
le jour de l'accomplissement de la promesse. C'est aujourd'hui. Et merci d'être là. Ça nous touche. On sait que vous nous aimez et qu'on compte pour vous. J'aimerais également remercier tous les bénévoles. Alors, ce qui est formidable avec EMCI, quand on a démarré cette œuvre, c'est avec vraiment l'essence même de l'Évangile, l'unité des croyants, l'unité du corps de Christ. Et les églises se sont mobilisées. J'aimerais remercier particulièrement les églises Nouvelle Vie et tous les bénévoles, l'église ICC de Montréal, l'église La Citadelle, l'église La Compassion Montréal et l'église Plénitude. Sans vous, on n'aurait pas réussi à organiser cette belle journée. Vous avez fait un travail formidable. Merci pour le prix que vous avez tous payé. Et vous êtes vraiment extraordinaire, formidable. Et pour finir, j'aimerais honorer quatre personnes particulières qui ont vraiment une grande, grande place dans mon cœur et une place privilégiée dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup du board de MCI également. Et vous savez, ils ont été là pour nous dans les moments de tempête. Ils ont été là pour moi, malgré leur emploi du temps chargé, toujours là pour moi. Ils nous ont aidés, EMCI, à traverser les tempêtes. Et si on en est là aujourd'hui, si on a tenu face aux attaques de l'ennemi, c'est parce qu'il y avait ces aînés qui étaient là pour nous soutenir, pour nous encourager. Ils sont tous les quatre, pour moi, les mentors de ma vie. Et j'aimerais tout d'abord honorer et remercier le docteur Moussa Touré. Pasteur Moussa, merci. C'est grâce à lui que je suis rentré dans le royaume de Dieu. J'aimerais remercier le pasteur Ivan Castanou. Merci. Et son épouse, pasteur Maud. Je vous aime. J'aimerais remercier celle qui est notre maman, mère Chantal, Barry. Merci d'être là. Et bien sûr aussi le pasteur Marcel Kouamena. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'aurais jamais réussi sans vous. Vous m'avez tellement appris. Et on vous aime. Merci du fond du cœur pour votre amitié, votre fidélité, d'avoir fait une place dans votre agenda pour être là. Et comme je le disais, je crois que Pentecôte, merci, vous pouvez vous asseoir. Pentecôte 2023, ce n'est pas juste une inauguration. C'est le temps où Dieu veut nous visiter. Je le crois. Je le crois, et soyez dans l'expectative tout au long de ce week-end. On célèbre aujourd'hui l'inauguration, c'est vrai, du centre. Mais Dieu veut marquer cette inauguration de son sceau, de sa puissance et du mouvement du Saint-Esprit. Alors, quel parcours extraordinaire. J'étais ému aujourd'hui. Je réalisais encore, avec Jérémy Annabelle au début, en Bretagne. J'étais étudiant. J'étudiais en informatique. J'étais en troisième année pour être ingénieur. Et mon cœur brûlait tellement pour la parole de Dieu que je n'arrivais plus à étudier autre chose. Je n'arrivais plus à étudier autre chose que la Bible. Je passais des nuits blanches à lire la parole de Dieu, à témoigner, à parler de Jésus à tout le monde. Et c'était horrible, les études. J'ai détesté ça. Et tous les jours, je demandais au Saint-Esprit, « Est-ce que je peux arrêter, s'il te plaît? Est-ce que je peux arrêter ?» Et dès que j'ai cru entendre le Saint-Esprit me dire « C'est bon, tu as arrêté, tu peux arrêter », tout de suite, j'ai arrêté mes études. Et quelques semaines après, le frère Mike Magloire était là. Je me retrouvais à Paris Sainte-Chrétien, dans l'église du pasteur Selvedge Raja. Et j'avais jamais vu un homme prêcher l'évangile comme ça, rempli de foi, rempli d'hardiesse, rempli du Saint-Esprit. Et il m'a pointé du doigt, il y avait 2000 personnes. J'étais tout au fond de la salle, à côté de mon frère Mike. Il m'a dit, tu n'es pas de la région, tu as arrêté l'université, et pour toi, il n'y a plus d'espoir selon le monde. Mais sache que Dieu a un plan pour ta vie. Tu vas rentrer chez toi avec une onction fraîche, et Dieu va t'ouvrir les yeux. Et le soir même, sous ma douche, mes yeux se sont ouverts, et le Saint-Esprit m'a visité. Il m'a dit, fais un site internet. Et c'est comme ça que enseignemoi.com a débuté. Je me suis mis à genoux, j'ai dit « Seigneur, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Et je prie que tu puisses me donner les ouvriers. » J'ai partagé cette vision à mon ami Jérémy Annabelle qui a embarqué, à David Oustin. Et puis, par la foi, tous les quatre, on n'avait pas d'argent, rien sur le compte bancaire. Jérémy a pris son compas, on a dit « Bon, Jésus est allé à Capernaum, quand il a commencé son ministère. »
la grande ville. Nous, on va aller à Paris. Ça n'a aucun sens de rester dans cette petite ville à Vannes, en Bretagne. Et on a tout quitté. On est parti, ne sachant même pas comment on allait payer les loyers. Et on a aménagé le sous-sol de la maison. Et c'était les premiers bureaux de enseigne-moi.com. On a travaillé fort toute une nuit, toute une année, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est comme ça que le site enseigne-moi.com est né et a connu rapidement un succès. Et vous savez, à l'époque, il y avait Top Chrétien qui existait depuis 5 ans. Puis nous, on se lançait. Eric m'encourageait. Il disait, allez, Michael, vas-y, on est tellement peu nombreux, il faut gagner des âmes. Et puis, j'ai eu l'idée de dire, bon, il y a Internet, on va numériser les cassettes. À l'époque, les prédicateurs enregistraient sur des bobines, les Walkman, et on mettait les cassettes dans la voiture. Et j'ai dit, mais il y a une technologie qui existe, on va numériser tout ça. Et avec Jérémy, avec sa petite voiture Peugeot, qui roulait à peine, on a sillonné la France, la Suisse, et on a commencé à récolter toutes les cassettes, aller voir les pasteurs, donnez-nous vos cassettes, et on les numérisait à longueur de journée. Jérémy les numérisait, je les numérisais, David. Et on a commencé à avoir des milliers de messages comme ça. Et un jour, on m'a parlé des jumeaux Castanou, les frères Castanou. J'ai dit, c'est qui, des jumeaux qui prêchent l'évangile? Des jumeaux? Je les regardais, je ne savais pas les reconnaître, Yvan, Yves. Et puis un jour, le pasteur Yves, le frère jumeau du pasteur Yvan, arrive dans cette petite ville. Jérémy a pris un compas, donc en région parisienne. Il a dit, ah, il y a une ville qui s'appelle Lieu-Saint dans le 77. Allons là. On s'est dit, allons-y. De toute façon, peu importe où on va, le Seigneur sera avec nous parce qu'il est derrière sa parole et son plan. Et on est allé à Lieu-Saint. Il est arrivé un soir avec une grosse mallette et il nous a donné des cassettes. Et là, c'était les premières cassettes du royaume qu'on a enregistrées. Les premières cassettes sur le royaume de Dieu et la francophonie a été bénie rapidement, dès la sortie, des millions et des millions de vues. Et là, dans mon cœur, je priais le soir, souvent. Et je me souviens d'un soir, j'ai fait une prière particulière. J'ai dit, Seigneur, en larmes, en région parisienne, j'étais à l'extérieur, et j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai dit, Père, s'il te plaît, je ne te demande pas de l'argent. Je ne te demande pas le succès. Je ne te demande pas des biens, je ne te demande pas la réussite, je te demande une seule chose, que ce soit directement ou indirectement, mais s'il te plaît, donne-moi des millions d'âmes. Je veux amener à Jésus-Christ des millions d'âmes. Et vous savez, il y a certaines prières qu'on fait, et on sent que notre prière a été écoutée et a touché le ciel. Et là, j'ai su que quelque chose s'était passé et que Dieu aller faire quelque chose de grand. Et par la suite, j'ai dit à Jérémy, bon, le Seigneur nous a parlé, c'était en 2015, il m'a parlé toute une nuit, et j'arrivais pas à dormir, et j'ai écrit 5 pages. Je lui ai dit, frère, l'Esprit de Dieu m'a mis sur le cœur un centre, un grand centre, dans lequel on va pouvoir avoir un grand auditorium et faire des conférences. Et on va accueillir des hommes et des femmes de Dieu ointes, remplis du Saint-Esprit. Et on va diffuser tout ça dans les nations. Et l'Esprit de Dieu va secouer les nations. Et tellement de vies vont être transformées. Je vois dans ce centre des studios de télévision d'enregistrement. Et je vois dans ce centre une application biblique et des projets médiatiques extraordinaires qui vont sortir. Et je lui ai envoyé ça. Quelques temps plus tard, il m'a ressorti cette vision que j'avais comme mis de côté. Il m'a dit, Michael, aujourd'hui, on est rentré exactement dans tout ce que l'Esprit de Dieu t'avait montré. Et on lui est tellement, tellement reconnaissant. Puis j'ai dit à Jérémy, frère, le Seigneur nous a appelés et on ne va pas juste prendre des messages des autres, mais il faut qu'on crée des émissions. Il faut qu'on crée des plateformes et on va commencer à produire et enregistrer des émissions vidéo. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Frank, qu'on a rencontré ici au Canada, avec des appareils photo, réflexes, petits appareils photo. Pour dépenser 1000 euros, on priait pendant 3 jours pour savoir si on pouvait le faire. C'était compliqué. On dégageait un salaire. Le mois suivant, on ne pouvait pas forcément dégager de salaire. Et en fait, on s'est lancé par la foi à démarrer ces émissions. Pensée du jour, pasteur, j'ai une question, etc. Et puis, le pasteur Olivier Desrains, un ami qui travaillait avec nous,
il est venu me voir, il vivait au Burundi, et il m'a dit, Michael, ne faites pas juste des émissions. Il faut que vous fassiez une chaîne de télévision. Et moi, je lui disais, Internet, Internet, c'est Internet maintenant, la télévision. Il me dit, oui, mais moi, je vis en Afrique. Et je peux t'assurer, là-bas, il n'y a pas les connexions Internet comme en Europe. Et on a besoin de diffuser la télé. Et je l'ai écouté, j'ai dit oui, on a prié, dit, on va le faire. Et on s'est lancé à travailler fort, fort, fort. Et en l'espace de 2 ans après le lancement en 2017, le Seigneur a permis que EMCI TV devienne la chaîne ou l'une des chaînes les plus influentes dans la francophonie. À partir d'une petite ville dans la campagne, à Waterloo, quand Pasteur Yvan est rentré dans les productions d'EMCI, il a fait « Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est ici que vous filmez ? Quoi ?» J'ai dit « Oui, c'est là qu'on a fait, c'est là qu'on a commencé. » Frères et sœurs, ne vous découragez jamais. Ne méprisez jamais les faibles commencements. Parce que si vous êtes fidèles et que vous persévérez, Dieu fera grandir la vision, il l'accomplira. Alléluia. Et je ne regrette pas d'avoir payé le prix fort pour que cette télévision francophone existe. Parce que quand on voit l'impact qu'il y a dans les nations, et particulièrement en Afrique, le nombre d'âmes sauvées, le nombre de vies transformées, on ne les compte plus. On se dit, ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Merci d'avoir donné, merci d'avoir semé, merci d'avoir cru avec nous. Et quelques mois avant le Covid, juste avant le Covid, le Seigneur a réveillé ce rêve du centre dans mon cœur, juste avant le Covid, quelques mois avant. Et il m'a dit, c'est le temps pour le centre. Mais on n'avait que 1 million de dollars canadiens sur nos comptes bancaires. Et construire un tel centre, c'était environ 14 millions. Et avec l'équipement, ça dépassait les 20 millions de dollars. Et j'arrivais pas à prendre la décision. C'était trop un pas de foi. Et un soir, je me suis réveillé un matin. Et en me réveillant, l'Esprit de Dieu a prophétisé à travers ma bouche. Et il m'a dit, la foi est une démonstration. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne fallait pas que je marche par la vue, mais que je marche par la foi. J'ai réuni le board, j'ai dit, on y va, on construit ce centre. On construit ce centre, on l'a fait, on a fait connaître nos besoins, on a présenté nos vases à Dieu. Et en l'espace de moins de 3 ans, frères et sœurs, on a récolté plus de 23 millions de dollars, ce qui a pu financer ce centre. C'est extraordinaire. Acclamez Dieu pour vous. Le peuple de Dieu est formidable. Et vous savez, la vision de MCI, c'est d'utiliser les médias pour répondre au grand mandat que le Seigneur Jésus nous a donné. Ce grand mandat qui est d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de faire des disciples, des nations des disciples. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire. Et je reste convaincu que les médias joueront un rôle déterminant dans le salut des âmes et le réveil de l'Église dans les temps de la fin. Un rôle déterminant plus que jamais. Et vous savez, il y a cette citation de Osborne qui m'a beaucoup parlé, et j'ai à cœur de vous la lire. Il dit, « Des flots de gens courent vers les psychologues et les psychiatres. Ils servent de cobayes pour toute nouvelle théorie qui est conçue par la vague grandissance de psychothérapeutes. Les enfants sont dans la confusion, les adolescents vont à la dérive, les parents se disputent, l'insécurité, le désarroi dominent les foyers, l'alcoolisme, la brutalité, voire la perversion remplacent l'harmonie, l'amour et la stabilité dans la vie de la famille. La maladie, les infirmités, le stress mental et le vide spirituel ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui même, les existences misérables se déroulent derrière les portes de beaucoup de familles qui paraissent même aisées. Derrière ces portes se trouve un monde ouvert pour le ministère des chrétiens, mais des millions de membres d'Église n'ont jamais passé leur seuil. » Frères et sœurs, Dieu veut utiliser les médias. Là où on ne peut plus aller, derrière ces maisons, derrière ces portes, c'est par les médias que le Seigneur va passer. Alléluia, il va le faire. Et vous savez, on peut donner de la valeur à tout dans ce monde. On peut donner de la valeur à des objets, on peut donner de la valeur à des projets, on peut donner de la valeur à des biens, à des matériaux.
Et j'ai regardé sur Internet combien valait une Ferrari. Cette Ferrari, je crois que c'est la F8, elle vaut 500 000 dollars américains. Ils ont réussi à chiffrer cette Ferrari. On peut passer au visuel suivant, s'il vous plaît. Ce chien, un chien, on donne de la valeur même aux animaux. Il y a un chien acheté par un Chinois qui a été acheté à plus de 1, c'est pas milliard, mais c'est 1,4 million de dollars américains, parce que c'est un chien rare qui a le look d'un lion. Et on a pu donner de telles valeurs même à des animaux. On a pu donner de la valeur à ce tableau de Picasso de 103 millions de dollars, la femme assise au bord de la fenêtre. Je ne comprends pas tout. Mais ils ont réussi à donner une valeur à ce tableau. On a réussi à donner une valeur à une entreprise Twitter. 44 milliards de dollars américains qui a été racheté, vous savez, récemment par Elon Musk. On peut donner de la valeur à tout, absolument tout. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on peut donner de la valeur à une âme ? Combien vaut la vie de ma fille, de mon fils, de nos bien-aimés, de ceux qui nous entourent ? Et on est incapable de donner de la valeur à une vie humaine, parce qu'elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et frères et sœurs, si UMCI existe, si nos églises existent, si nos organisations existent, c'est avant tout, et j'aimerais nous rappeler la vision qu'il y a dans le cœur de Dieu, la vision qui nous anime et qui anime cette famille, c'est avant tout pour sauver les perdus, pour sauver les âmes. Elles sont si précieuses aux yeux de Dieu. Il ne nous a pas rachetés avec l'or et l'argent, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ. Il n'y avait rien de plus grande valeur que dans l'univers, que de la vie de son Fils unique. Et c'est Jésus qui a racheté nos âmes. Je priais souvent le soir. Pendant un mois, je sortais à Paris, en région parisienne, à Noisy-le-Grand, et je faisais cette même prière. J'étais seul, là, dans le noir, à 11h, minuit, je priais à genoux dans les bois, et je disais pendant un mois, tous les soirs, « Seigneur, donne-moi un fardeau, s'il te plaît, pour les perdus. Donne-moi un fardeau plus grand pour les perdus, parce que quand je lis ta parole, tout est question du salut des âmes, tout est question de sauver les âmes, tout est question de te faire connaître aux autres. Je veux ce fardeau dans mon cœur. » Et je priais tous les soirs. Et au bout d'un mois, j'étais au téléphone avec Jérémy. Je rentrais dans mon petit studio. Et au téléphone, je parlais des affaires de l'entreprise, de l'organisation avec Jérémy. On avait une petite entreprise de création de sites web. Ça n'allait pas bien d'ailleurs. Et je disais aux frères, on discutait des problèmes. Et au moment où j'étais au téléphone, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et je me suis écroulé par terre. Le téléphone a volé. J'étais dans des flaques de larmes pendant des heures et des heures. Dieu venait de répondre à ma prière quand je lui ai dit de me donner un fardeau pour les âmes. Et vous savez, ce que j'ai ressenti, ce n'est rien comparé à ce que le cœur de Dieu ressent. Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est amour, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une facette du cœur de Dieu qui souffre chaque seconde. Toutes les deux secondes, il y a une âme qui meurt dans le monde. Là, il y a quelqu'un qui vient de mourir sans connaître Jésus. Là, il y a encore quelqu'un qui vient de mourir sans connaître Jésus. Et la Bible nous dit, avec assurance et certitude, que ceux qui ne l'ont pas connu, malheureusement, seront entraînés par le diable dans ce lieu de perdition pour l'éternité et de souffrance. Mais que Dieu compte sur nous pour faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que tous ceux qui auront donné leur vie à Jésus, auront fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et j'étais là dans ma chambre, je pleurais, je suppliais Dieu, s'il te plaît, arrête, arrête, je gémissais pour qu'il arrête de me faire ressentir ce que lui ressentait. Et ce que je ressentais, c'était juste une infime partie de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Mais j'avais l'impression que j'allais littéralement mourir. Et dans les larmes, je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain dans les larmes, j'allais dans les centres commerciaux, je croisais les gens, je pleurais parce que je réalisais que s'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et ce baptême d'angoisse que Dieu m'a fait vivre, l'angoisse des âmes qu'il aime, qui vont aller en enfer, l'angoisse de son cœur qui est déchiré pour chaque âme perdue. Ce jour-là, je peux vous dire, j'aime les rassemblements chrétiens, j'aime quand on se réunit, j'aime quand on loue. Mais ce jour-là, ce verset a pris tout son sens.
il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, frères et sœurs, c'est la vision de MCI que le Seigneur puisse sauver, c'est notre prière. Si Dieu nous a donné un tel centre, si Dieu a bâti une ambassade de plus dans ce royaume, dans la francophonie, parce qu'il n'y a pas que MCI. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans différentes organisations, dans la francophonie, et on peut entendre le bruit du réveil qui vient. On peut voir ce petit nuage, comme Élie qui voyait ce petit nuage, et dit, va dire à Akab que la pluie arrive. On peut voir que les guérisons se multiplient, les délivrances authentiques se multiplient, le Saint-Esprit est en train d'agir, les convictions de péché, les âmes qui se tournent vers Dieu. On est en train de vivre quelque chose de particulier, et je crois qu'on va vivre ce que notre cœur désire, le réveil. Parce qu'il n'y a que deux choses qui comptent dans le cœur de l'équipe de MCI. La plupart d'entre nous, Dieu nous a réunis, c'est l'amour pour le salut des âmes et le réveil de l'Église pour vivre les actes à nouveau. Et on va le vivre, pas juste dans certaines régions du monde, mais dans la francophonie. Alléluia, comme Nadine l'a dit, Dieu n'a pas oublié la francophonie. Alléluia. Et si Dieu, je termine, nous a donné une telle œuvre, un tel bâtiment, un tel centre équipé à la pointe de la technologie. Il n'y a pas de studio qui soit équipé comme nous au Québec, avec les dernières caméras, les dernières technologies. Un tel bâtiment dans la région, même le milieu séculier dit c'est extraordinaire. Ce n'est pas juste pour avoir un beau témoignage, ce n'est pas juste pour la fierté, ce n'est pas juste pour dire « Oh, waouh, c'est génial !» Pas du tout. Si Dieu nous a donné, ce n'est pas pour le confort. Si Dieu nous a donné, ce qu'il nous a donné, c'est un puissant outil pour que ces projets qui sont dans son cœur puissent voir le jour. Il nous a donné, comme disait mon ami Éric Sellerier, une moissonneuse batteuse. Et on va plus aller récolter les champs et la moisson qui est mûre avec des petits instruments. C'est avec la moissonneuse batteuse du centre MCI et tout ce qu'il fera. Alors, on veut lui rendre toute la gloire encore. Et que les projets qui sont sur mon cœur, qui attendait l'existence de ce centre depuis tellement longtemps. En 2007, je me suis réveillé un matin et Dieu m'a parlé, il m'a dit « Michael, il faut que tu fasses, je vous en parlais après, un projet et il aura encore plus d'impact que EMCI TV. » Et il va bientôt sortir à la fin de l'année, je vous en parle. Mais trois gros projets vont pouvoir voir enfin le jour. On vous en parle depuis longtemps, mais c'est EMCI Academy. Et là encore, on va commencer avec la formation pour les nouveaux convertis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais on va pouvoir exploiter le Studio B et commencer à tourner des émissions, inviter les personnes qui doivent le faire. Mais ce qu'on veut, c'est faire connaître Jésus. Donc on va faire une formation très spéciale, centrée autour de l'œuvre de Jésus, christocentrique, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli. Et sur les paroles de Jésus et son enseignement, puisqu'il a dit « Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». On veut que les gens voient Jésus. On veut que les gens aient la révélation de Jésus-Christ. On veut rendre Jésus concret pour les gens. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, priez pour nous, priez pour ce projet. Il va bientôt voir le jour. Et également, les conférences EMCI qui seront faites dans le centre EMCI. Comme on vous l'a dit, on va multiplier les conférences avec nos amis, les hommes de Dieu ou un serviteur de Dieu, les femmes de Dieu qui viendront ici, et puis l'équipe de MCI ministérielle, ça va être extraordinaire. Amen. Et le troisième projet, comme je vous disais, en 2007, je me suis réveillé un matin, et encore une fois, ça m'est arrivé quelques fois, l'Esprit de Dieu a prophétisé à travers ma bouche, et en me réveillant, « Michael, fais une application biblique, et elle aura encore plus d'impact que tout ce que tu as fait jusqu'à présent. » Et c'est ce à quoi on travaille de toutes nos forces depuis 2 ans. J'y consacre 80% de mon temps ces derniers mois. Et ça s'appelle l'application Ma Bible, vous l'avez vu. Et ça va être extraordinaire. Vous savez, Dieu est derrière sa parole est vivante. Et elle va transformer les vies. Ça va être extraordinaire. Tous les personnes qui ne lisent plus la Bible, les religieux qui lisent la Bible, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais eu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, vont pouvoir, je le crois, être sauvés par millions et millions à travers cette application. Et Dieu va reconnecter le cœur des nouvelles générations avec sa parole et leur redonner le goût, le plaisir de lire la parole de Dieu. Et on a voulu créer, en brainstormant avec Éric Sellerier,
dit, mais ce qu'on est en train de faire, c'est une application pour les jeunes. Oui, c'est ça, une application aussi qui va toucher toutes les générations, pas juste les plus anciens. Et c'est extraordinaire. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, on vous montrera, mais juste vous montrer un petit peu ce qu'on a commencé à faire pour les enfants. Ça va être merveilleux. Les plus grandes histoires de la Bible racontées, illustrées en dessin animé, en conte animé, avec du sound design, de la voix off, où une voix va raconter et les enfants vont pouvoir s'attacher à Jésus. Là, c'est l'histoire du paralytique qui descend du toit. On n'a pas eu le temps de faire le sound design pour le projet, donc je vous montre juste quelques images. Et voilà, et que les enfants s'attachent à Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. En touchant les enfants, on touchera les générations aussi à venir. Et je crois même les parents que ce projet UMCI Kids, qui sera dans l'application Ma Bible, puisse toucher et aider et être des supports pour toutes les églises dans la francophonie et dans même d'autres langues. Et que ce soit un support pour tous les parents. Et là, le paralytique, je vous laisse regarder, je vois que vous ne m'écoutez plus. Il va être guéri. Alors, avec le sound design, ça fera... Et vous pouvez imaginer, il est ému. Jésus-Christ vient de lui prouver qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a la puissance de pardonner les péchés. Les gens sont interpellés, ils sont touchés. Il est émerveillé et le Jésus le plus cool au monde en dessin animé. Il dit de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et ses quatre amis, qu'il est important, les enfants, d'avoir des amis précieux qui nous amènent à Jésus, se réjouissent avec lui. Et alléluia. Alors voilà un petit avant-goût de ce que Dieu va faire. Obed, tu peux venir rapidement, s'il te plaît. Vite, vite, vite. Lève-toi. Dieu nous a connectés avec ce frère. Priez pour lui, il est précieux. Il a rejoint l'équipe de MCI. Et ce dessin animé que vous avez vu, il l'a fait tout seul. En quelques mois, tout seul. Tout seul. Les gens ne comprennent pas. Mais quand Dieu se choisit des Betsalil, des hommes en qui il met toute sa sagesse, toute sa science, toute son intelligence remplie du Saint-Esprit, il court comme Élie, plus vite qu'un char. Priez pour lui. Et Dieu est en train d'amener des créateurs, des modélistes 3D. C'est extraordinaire. Merci Obed, merci pour tout ce que tu fais. Dieu nous a connectés et cette vision qu'on a pour les enfants, Dieu va l'accomplir à travers EMCI. Amen. Amen. Alors c'est le temps de laisser la place à nos amis. Je disais à l'équipe, moi aujourd'hui, ce week-end, je le vis comme un mariage. Je suis le marié, je m'assois, on profite. Et je suis content parce que j'y arrive. Et je suis tellement touché que vous soyez là. Et j'aimerais inviter Eric et Chantal, si vous pouvez venir, si vous voulez. Merci d'être là. Merci Chantal. Petite anecdote. Au moment où elle a tellement fait, j'ai tellement appris, je ne suis pas allé à l'école, mais en passant un peu de temps avec Chantal, c'est des années que j'apprends, juste quelques heures. Et elle a toujours été là pour nous, toujours été là. Et c'est une grande dame de l'ombre. Dieu l'a beaucoup utilisée et l'a élevée dans le milieu séculier avec son mari, Jean-Pierre Barry. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais elle est si précieuse pour nous. Et petite anecdote, le jour où on est rentré dans le centre avec l'équipe de MCI, ils se retrouvaient, Chantal, Eric, Luc et leurs épouses, au Canada. Ils sont venus nous visiter le jour, la circonstance, le timing de Dieu. Et juste après, on a eu des pères qui sont venus nous visiter aussi. Et je me suis dit, mais la plus grande dame des médias dans le monde, même séculier, à mes yeux, est... Elle est venue
et elle a béni le centre MCI. C'est extraordinaire. Merci pour ton cœur, Chantal. Juste vous laisser partager ce que Dieu vous a mis sur le cœur. Et merci, Eric. Et Eric, Dieu nous a connectés. Un long parcours. On a avancé ensemble, Top Chrétien, enseignement.com. Mais c'est seulement il y a quelques années que j'ai revu Eric. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est mon ami précieux. Et Dieu nous a tissé d'amitié. Eric Sélarié, on n'a plus besoin de le présenter. Toute la francophonie le connaît. Fondateur de Top Chrétien, Un Miracle Chaque Jour, Jésus.net, The Watchers aujourd'hui avec Chantal et l'équipe. C'est extraordinaire. Mais j'ai aujourd'hui la joie de connaître Eric, d'avoir un ami, un nouvel ami, un visionnaire avec moi. Chaque temps que je passe avec Eric, la Bible est vivante. C'est lui qui m'a inspiré ça. Et ici, j'ai un plus grand visionnaire que moi. Merci Eric. Il donne de son temps gracieusement. Gracieusement. Et grâce à lui, des portes qui étaient fermées pour le projet Ma Bible ont pu être ouvertes. Alors, merci d'être là, Eric. Avec merci joie. De ton amour. Merci à toi. Oh, gloire à Dieu. Merci, Michael. Merci. On est tellement touchés. C'est vrai ? On est touchés d'être là parce que quand ici, on est en train de voir une vision, un rêve qui est devenu une réalité. Alors, si c'est toi le marié, j'espère que c'est pas moi la mariée. C'est nous, disons. Qui est la mariée ? Aujourd'hui, le verset du jour dans l'application YouVersion, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et c'est ce que EMCI fait. Vous allez dans le monde entier, et je vais m'inclure, hein. Nous allons dans le monde entier, et nous faisons des nations des disciples. Et nous permettons à des gens qui ne connaissent pas Jésus, j'ai aimé ton cœur, Michael, j'aime ton cœur, ta passion en fait pour les âmes, c'est précieux. Et en fait, quand c'est ce qui nous anime, il n'y a rien qui est impossible en fait, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il le veut tellement qu'il donne Jésus son fils, alors imagine. Et je suis vraiment heureux qu'on soit des amis, c'est miraculeux. Alors, je ne sais pas si sur les plaques au Canada, vous avez remarqué, mais c'est écrit « Je me souviens ». Et moi, je me suis dit, quand je suis venu il y a des années, je me souviens de quoi ? Et en fait, ils veulent se souvenir qu'ils sont francophones et ils ne veulent pas oublier le français. C'est pour ça qu'au lieu du panneau stop, ils ont mis arrêt. Et au début, tu t'arrêtes pas parce que tu ne comprends pas, en fait. Mais... Et c'est vraiment, c'est super ce que tu as fait, en fait, de revisiter l'histoire. Parce que c'est important de se souvenir. Et moi, je me souviens. Et je me souviens de 2005. Donc ça va bientôt faire 20 ans, hein, dans 2 ans. Quand je rencontre Michael, et il me dit, Dieu m'a parlé, Osée 4-6. Alors Osée 4-6, j'ai beau être un pasteur, vous savez, j'ai pas toujours, je suis pas chat GPT, j'ai pas, ça n'existait pas encore. J'ai regardé, à mon peuple périt faute de connaissances. Alors j'ai une vision, et je vais créer un site internet, il va s'appeler enseignemoi.com. Et ça n'existe même pas encore. Et c'était la vision. Et ils sont arrivés à Lieu Saint, comme tu racontais, Lieu Saint. C'est un joli nom quand même. Hein. Je ne connaissais pas l'histoire du compas, là, il faut... avec Jérémy. Et donc, avec Jérémy, avec Annabelle, avec Michael, avec David Oustin, ils se sont installés dans une espèce de sous-sol, là, en fait. Et moi, je me rappelle, en fait, de les voir travailler. C'était comme une start-up de Dieu. Et ça codait. Et je me rappelle qu'ils n'avaient rien à manger. Je me rappelle que le frigo était vide et qu'ils étaient tout maigres. Mais bon, c'est dans leur nature, parce que Jérémy, Michael... Bon, je ne parle pas de toi, Frank, maintenant, mais... Ils ne connaissaient pas la poutine et tout ça, mais... Et,
Et ils avaient cette vision. Et c'est important de se souvenir. C'est important de se souvenir de ces... Et quand j'ai dit à Jérémie, « Jérémie, c'est quoi ta leçon de lieu saint ?» Il me dit, « Ma leçon... » Et c'est celle-là que j'avais notée aussi, en fait. C'est, « Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. » Toute œuvre, elle commence toujours par des faibles commencements. On voit des années après un beau centre et tout ça, mais il y a eu des faibles commencements, il y a eu des pas de foi, il y a eu des sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer, en fait. Et c'est important de se souvenir. La Bible nous dit même de nous souvenir de nos conducteurs spirituels, de nous souvenir de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Alors, moi, comme un pionnier là dans les médias d'Internet, j'avais fait mon premier site en 1997. Donc certains d'entre vous, vous étiez même pas nés. 97. Pour présenter l'église qu'on était en train d'implanter. Donc ma vision, c'était vraiment au service de l'église, au service du royaume. Et comme un pionnier, alors, et Chantal aussi, c'est une pionnière dans les médias, on veut vraiment vous honorer et on veut se souvenir que c'est Dieu qui vous a appelé, qui vous a donné cette vision. C'est Dieu qui a inspiré cette œuvre. Comme dit Dena Moana dans son chant, c'est Dieu qui a inspiré cette œuvre et qui la conduira jusqu'au bout. Et on veut vous dire merci pour votre foi, merci pour votre persévérance, merci pour votre exemple, merci pour votre cœur. On est avec les pasteurs, on est venus comme des pasteurs, un peu quelques pères de la francophonie, là, parce qu'on est reconnaissant. Et oui, on donne toute la gloire à Dieu, mais on rend l'honneur à qui on doit rendre l'honneur. Et on veut vous rendre l'honneur aujourd'hui. Merci. Et on ne se souvient pas parce qu'on veut regarder juste en arrière, mais on se souvient d'où le Seigneur nous a pris. On sait qu'on est arrivé là, que vous êtes arrivé là, par sa grâce, par sa faveur, par sa bénédiction, parce que des gens ont cru en vous et ont dit oui, on soutient cette œuvre, les 30 000 là, on est reconnaissant à Dieu pour eux. Mais on croit qu'aujourd'hui, en fait, c'est que le début. On croit qu'on n'est qu'au début, au début. Amen. Et tant que la vision des âmes est là, et tant que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, alors merci. On est de tout cœur avec vous. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse ce MCI. Toute l'équipe. Merci. Alors que vous étiez en train de parler, Mika a dit qu'il est comme David. Et j'avais la pensée de David qui a été fortifié par Jonathan. La Bible dit que Jonathan est allé et il a fortifié David. Et merci pour ce que vous avez fait, de l'avoir fortifié dans des temps difficiles, de l'avoir fortifié en lui partageant aussi la vision, en l'encourageant. C'est émouvant. Et alors qu'on est ici dans la région de Québec, on est à Granby, dans cette petite ville qui ce week-end va avoir des visites incroyables, 1000 personnes en un week-end. Alors que nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. Nous croyons vraiment que Dieu a quelque chose pour le Québec. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a placé EMCI ici au Québec. Et le Québec vivra aussi un renouveau, un rafraîchissement. Ils se souviendront de la gloire de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde. Et alors qu'on a eu les mots de nos amis, on va avoir aussi les mots de nos pères. Je vous ai dit en début de séance que nous avons deux pères qui nous ont fait des mots. On va découvrir tout de suite le mot de notre père ici au Québec, le pasteur Claude Hood, qui nous a fait une vidéo. Bonjour tout le monde, c'est une joie pour moi. Au nom de toutes nos églises Nouvelle Vie, une église sur 7 sites, mais aussi au nom de la centaine d'églises et de ministères de l'Association chrétienne pour la francophonie, dont je suis le président, et aussi au nom de l'Institut de théologie pour la francophonie, dont je suis le président d'administration avec plus de 1000 gradués partout au Québec et en francophonie, de nous joindre à vous pour célébrer
cette journée extraordinaire d'inauguration de EMCI TV et aussi de l'église Plénitude, les studios, la salle magnifique, les invités réunis de partout à travers la francophonie. Je veux offrir personnellement non seulement des félicitations, mais juste glorifier Dieu pour cet accomplissement qui est historique. Pour le royaume de Dieu, je peux seulement imaginer tous les combats que vous avez eu à traverser, tous les combats, tous les adversaires que vous avez dû renverser spirituellement. Michael, Jérémy, Franck, Evelyne, les épouses, toute la famille de MCI, toute l'équipe, tout le staff. C'est extraordinaire ce que vous avez accompli. C'est un immense accomplissement pour le royaume de Dieu partout dans la francophonie, à partir d'ici au Québec. Et en tant que père dans la foi, après 40 ans de ministère, en tant que Québécois et père dans la foi, à faire l'œuvre de Dieu au Québec, c'est avec une immense fierté, énormément d'émotion qu'on se joint à vous pour célébrer. J'ai eu le privilège de visiter les locaux il y a quelques mois. Merci à l'équipe de m'avoir invité. Et alors que nous visitions les locaux magnifiques, on est à l'intérieur d'un des grands studios avec Michael, Jérémy, Franck et mon ami Éric Sellerier qui était là aussi. Nous avons été visités. Alors qu'on visitait les locaux, nous avons été visités par l'Esprit de Dieu, vécu un moment extrêmement intense de prière où j'ai ressenti comme Québécois, père dans la foi ici au Québec, le besoin, j'ai ressenti la direction de Dieu de bénir cette œuvre. Alors je le fais aujourd'hui avec grande joie devant tous que cette œuvre soit bénie. Nous la bénissons, nous l'affirmons, nous la soutenons et j'ai vraiment ressenti de la part du Seigneur un mandat de soutenir leurs bras, de les soutenir, non seulement de les accueillir au Québec, mais de soutenir les bras de tous les leaders qui rendent possible cette œuvre magnifique. Vous savez, en 1985, j'ai eu le privilège d'être le traducteur pour David Wilkerson, qui est venu au Québec pendant 5 semaines. Nous avons fait tous les stades, les arénas de hockey du Québec en évangélisation. Et à ce moment-là, j'étais au tout début de mon ministère et je m'apprêtais. J'avais vraiment des invitations j'avais une invitation en particulier pour aller être aux États-Unis, être pasteur d'une église aux États-Unis. Et je prêchais en anglais à l'époque. Et pendant une période de 10 ans à cette époque-là, j'ai prêché plus de 1000 fois à 50 personnes ou moins. Je pouvais passer des journées à prier, à jeûner pour prêcher le soir à 25 personnes et avoir une personne qui donne sa vie au Seigneur. C'était l'ampleur, c'était l'œuvre de Dieu au Québec à ce moment-là. Et un soir, alors que j'avais presque accepté une œuvre aux États-Unis, j'étais un soir avant une réunion avec David Wilkerson à quelques kilomètres. La réunion avait lieu à quelques kilomètres où sont maintenant les locaux de EMCI TV. Je crois qu'il y a un sens prophétique à tout ça. Avant que la réunion commence, David Wilkerson s'est levé et a dit « J'ai une parole prophétique pour toi ». Et personne ne savait que j'avais ces invitations américaines. Et il m'a dit « Tu auras des invitations pour t'éloigner du Québec et du peuple francophone. Et si tu le fais, tu serviras Dieu, mais tu seras hors de ma volonté. Mais si tu restes au Québec, il y aura des années de douleur, de souffrance, de combat, de sécheresse. » Et je me souviens avoir pensé « Est-ce qu'il y a une bonne partie qui s'en vient ?» Il a dit, si tu restes, je rassemblerai des hommes, des femmes ici au Québec. Et il m'a dit quelque chose qui était impensable pour moi à l'époque. Il a dit, mais du Québec, il y aura une vague de l'Esprit de Dieu qui touchera la province entière, mais qui ira vers tous les pays francophones du monde. Ce qui était complètement impensable pour moi. En 1993, il y a 30 ans, lorsque nous avons débuté l'Église Nouvelle Vie, j'étais dans un temps de jeûne et prière avec un groupe d'hommes, quelques hommes seulement, et le Seigneur m'a visité dans une vision pendant plus de 4 heures de temps. Les autres frères ont quitté, m'ont laissé là. Il y avait des vagues d'intercession qui étaient en moi. J'ai vu une série de portraits prophétiques qui se sont, plusieurs d'entre eux, tellement accomplis. Mais il y a une des choses que j'ai vues, c'est que du Québec, des flammes partaient
pour partout à travers la francophonie. Et c'était impensable que du Québec, la francophonie sera nourrie, la francophonie sera, des flammes iront embraser la francophonie entière, et la parole de Dieu partira vers la francophonie entière. Il y aura une source, je voyais une source qui partait du Québec et qui abreuvait les francophones du monde entier. Et je crois que EMCI TV est l'accomplissement de cette vision. Et aujourd'hui, je veux vous saluer dans tout ce que vous avez accompli et vous assurer de notre soutien, de notre amour. Et aussi, si je peux, je peux mentionner ceci, je crois que c'est particulièrement dans le cœur de Dieu d'avoir choisi le Québec, un des endroits, une des terres, une des nations, une des sociétés, un des éthos les plus antichristes et ignorants de Dieu au monde. Et Dieu a dit, c'est là où les ténèbres abondent, que la lumière va surabonder et que cette lumière va partir vers le monde entier. Alors, ma prière pour toute l'équipe, Michael, Jérémy, Franck, Evelyne, toute l'équipe, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur puisse continuer à vous garder avec ce cœur humble, ce cœur passionné pour Dieu, ce cœur visionnaire, et aussi qu'il vous donne discernement et courage, afin que chaque voix qui va s'ajouter à la vôtre, que chaque voix qui va venir intervenir, qui va venir apporter la parole à MCI au monde entier, soit les voix d'hommes et de femmes de droiture, d'intégrité, qui prêchent la parole de Dieu entière, sans compromis, avec des vies intègres, droites et à l'honneur de Dieu. Que chaque communicateur de MCI puisse être animé du cœur qui est vôtre. Alors, au nom de tous les chrétiens de Nouvelle Vie et de la francophonie, nous remercions le Seigneur pour vous et nous croyons pour de grandes choses et pour des multitudes d'âmes, une à la fois, qui vont venir à Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça mérite des acclamations. Amen. Merci, Pasteur Claude, pour ce mot prophétique et tout ce qui a été partagé. Et en début de session, nous avons mentionné que le pasteur Mamadou Karambiri n'a pas pu être là pour des raisons administratives. Et il nous a fait aussi une vidéo de bénédiction. Et il tenait, et nous tenions à mentionner que pasteur Mamadou a été une personne très encourageante. Jérémy me le rappelait, qu'il était une personne qui les a fortifiés, qui les a encouragés, qui a toujours été disponible. Et vraiment, il était vraiment en peine de ne pas être là. Ce n'est pas à force de ne pas avoir essayé. Nous avons cru. Jusqu'à mardi, nous croyions qu'il allait être là pour vous dire à quel point il a vraiment essayé. Mais les contraintes administratives de visa, etc., ne l'ont pas permis pour cette fois-ci. Mais c'est partie remise parce qu'il viendra faire des émissions prières inspirées. Il y aura des conférences qui seront organisées et il sera aussi parmi nous. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela qui sera à venir. Mais pour le moment, nous allons découvrir avec vous la vidéo du pasteur Mamadou Karambiri. Quel jour de grâce, la consécration de la salle de conférence de MC TV, qui sera une salle de conférence qui va accueillir des multitudes, accueillir des gens de toutes couches sociales, mais qui va être un élément de bénédiction. À cause de cela, je proclame maintenant que cette salle que vous consacrez aujourd'hui soit une salle où les yeux de Dieu, la présence de Dieu remplissent ces lieux de façon puissante, efficace, et que quiconque viendra dans ce lieu-là, simplement parce qu'il veut voir la présence de Dieu, que le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu à cette personne ou à cette famille-là, afin qu'elle sache que Dieu est dans ce lieu-là et que Dieu manifeste et tend sa bonne main pour bénir la personne. Je proclame aujourd'hui que toute femme qui est vraiment dans les difficultés, non seulement de stérilité ou qui est dans un temps où vraiment la famille veut se séparer, l'homme et la femme, et dès qu'elle mettra pied dans ce lieu-là, oh, que la bonté, la compassion de Dieu descende sur cette femme-là, non seulement pour lui donner un enfant, que la fécondité soit réelle, et que ceux qui veulent divorcer, que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, les amène à se réconcilier et à reprendre leur vie. Je proclame que ce lieu qui est consacré aujourd'hui, c'est ma participation aussi, soit un lieu où des gens, chaque fois qu'il y a un séminaire, une conférence, que la présence glorieuse de Dieu se manifeste pour que l'orateur et les participants
puissent recevoir grâce sur grâce et qu'ils reçoivent l'enseignement, la révélation et qu'en sortant de ce lieu-là, ils sortent des gens transformés, changés comme dans la chambre haute et que la grâce de Dieu soit sur eux. Je proclame dans cette période donc, de consécration de cette grande salle-là que réellement aucune ressource financière ni humaine ne vous manque, qu'au contraire, que la grâce de Dieu soit sur là-bas, que tout ce qui sera donc de moins se manifester soit son budget complet pour travailler, pour faire vraiment de grandes choses. Et je prie qu'à partir de cet endroit-là, que le Saint-Esprit donc suscite vraiment un renouvellement. Le Saint-Esprit suscite un genre de réveil où les gens viendront de gauche à droite. Je n'ai pas dit comme Altibouri ou bien les autres choses, mais que le Saint-Esprit commence dans ce pays francophone et en même temps anglophone, donc de l'Amérique, un attouchement spécial de la jeunesse, mais un attouchement spécial, un renouvellement donc des pasteurs, des couples, des familles, afin que toute chose soit faite pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va vous guider, va vous conduire et que sa bonne main sera sur cette salle-là et que la maison sera remplie. Ce sera une maison non seulement de prière, une maison de louange, une maison d'adoration, une maison de signes et prodiges. Comme Jésus l'a dit, ma maison est une maison de prière pour les nations. Qu'elle soit une maison de prière pour les nations, mais une maison aussi d'envoi des missionnaires, une maison aussi vraiment où la gloire de Dieu se manifeste. Je vous salue toute l'équipe de MC TV. Vous êtes des excellents hommes et femmes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez à travailler pour non seulement la francophonie au-delà, et que la grâce de Dieu vous visite, pose sa main sur vous, et que vraiment nous puissions nous réjouir ensemble encore dans les jours à venir. Merci beaucoup. MC TV, merci pour tout ce que vous faites pour le monde et à travers la francophonie. Recevez grâce sur grâce, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors nous voulons honorer les pères, en effet, comme on l'a entendu. Oui. Au Québec, et remercier le pasteur Claude Houde particulièrement, mais aussi les pères ici. On n'aura pas le temps de tous les citer, mais je pense au pasteur Fofine Dello qui nous a accueillis dès qu'on est arrivé. On peut également honorer le Seigneur pour les pasteurs Ruland, également les pasteurs Turpin, et ne pas oublier bien sûr les parents de Frank Poulin, qui ont fait un travail Daniel et Linda formidable au Québec, mais également tous les autres pasteurs du Québec, oui, petite, moyenne, grande église, peu importe, tous ceux qui servent le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies et pour le travail que vous avez accompli, parce que nous marchons dans vos traces. Vous avez semé, oui, et c'est aujourd'hui, je crois, le temps de la récolte, alors que vous êtes donné pour le Seigneur. Il y a 2 ans, hier soir exactement, à 21h15, comme l'a dit Michael, j'ai été dans les fondations de ce bâtiment déposer la première Bible de Michael Lebeau. Comme il a pu vous le partager, j'ai enterré cette Bible dans les fondations juste avant que le béton puisse être mis. Oui, c'est vrai, Jérémy a envoyé plusieurs photos de lui qui creusait le trou la nuit. C'était drôle. C'est ça. Et c'était la première Bible de Michael Lebeau. Et c'est vraiment cette Bible qu'il a donnée, un exemple de la vie de l'homme, du visionnaire, de l'ami, du modèle que Dieu nous a donné en la personne de Michael Lebeau. Alors, une vie de renoncement, de sacrifice pour le royaume. Et Michael, comme a déposé comme fondement, fondation, sa première Bible, c'est aussi sa vie qu'il a déposée et qu'il n'a cessé de déposer au fur et à mesure du temps et des années qui ont passé à travers de grands sacrifices, de grandes douleurs, des moments difficiles, afin que toute la francophonie puisse être arrosée de la part du Seigneur.
un homme de l'Esprit qui a su entendre la voix de Dieu. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir eu un homme si humble qui a toujours voulu et désiré mettre en avant les autres. Et si vous pouvez être béni à travers les différents ministères des leaders spirituels de MCI TV, c'est parce que Michael a voulu nous donner l'occasion de pouvoir exercer le ministère dans ce ministère et cette vision que Dieu lui a donnée. Alors c'est une joie pour moi que de pouvoir honorer mon ami et mon frère depuis plus de 20 ans, Michael Lobo, et d'honorer aussi celle qu'il a mise à ses côtés. On parle beaucoup de Moïse, moins de sa femme. Elle a été là dans les moments difficiles, elle a été là dans les moments où ça allait bien. Et on peut aussi honorer le Seigneur pour Yveline Lebeau. Come on! Woo-hoo! Yes! Qui a été un véritable soutien, une grande aide pour cet homme que Dieu nous a donné. Et il y a 18 ans, comme on l'a dit également, on était à Lieusaint, dans cette ville. En réalité, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, on m'avait proposé une annonce. Et on s'est retrouvé à Lieusaint. Et Michael m'a parlé en effet de cette vision qu'il avait de ce grand centre. Il en a parlé en quelques mots. Et on a été dans un bâtiment à l'époque qui s'appelait le bâtiment Berger. Vous pouvez le voir sur les écrans, sur les côtés. Et on a été autour de ce bâtiment, on a été à l'intérieur de ce bâtiment et on a prié, déclaré que ce bâtiment était pour nous et que Dieu allait nous le donner. Puisqu'il y avait la vision, les grandes conférences, le réveil et tout ce dont Michael a pu parler. Et on peut voir une similarité entre ce bâtiment qui s'appelle Berger, à Lieusaint, et EMCI TV aujourd'hui, au Québec. Plus de 18 ans se sont écoulés depuis cette grande vision, et nous remercions vraiment le Seigneur pour la vie de Michael, l'équipe qu'il a mise à ses côtés, la famille, des partenaires. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons. Amen. J'ai pas de temps, donc j'aimerais dire encore beaucoup de choses, mais je te laisse peut-être un mot, Frank. Michael et Evelyne. Toute ta vie, Michael, et toi aussi, Evelyne, en fait, vous êtes donné tout entier pour servir le Seigneur. Et c'est énorme. Il va y avoir une couronne extraordinaire qui va vous attendre lorsque vous allez arriver dans la présence du roi. Amen. Et vous êtes des exemples à tellement de niveaux. Et la francophonie, Jérémy, moi, nos épouses, on vous connaît personnellement, vous êtes une telle bénédiction. Et le Seigneur vous a appelé à ça, il vous a certainement équipé. Et aujourd'hui, on veut prendre ce temps pour vous honorer parce que tout votre être, quand Michael, tu l'entends parler, c'est parce qu'il pense en effet aux âmes et il veut servir. Et sa raison de vivre, c'est pour Jésus. C'est pour ça que dans son bureau, il a dit « Jesus is my boss ». Vous l'avez peut-être vu si vous avez visité tout à l'heure le centre. Il vit pour Jésus, elle vit pour Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un modèle et la francophonie est tellement bénie de vous avoir. Vraiment, on veut vous remercier, vous honorer aujourd'hui pour tout ce que vous faites, pour votre cœur. Amen. Amen. Alors, en tant que Aaron et Hur, nous voulons bénir votre vie. Oui. Si vous avez été un jour, un seul jour, même dans une seule émission, même si c'était un seul instant, une seule seconde, si un jour vous avez été béni par OMCI, c'est à cause de la vie de cet homme. Dieu l'a fait à travers lui. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble, vraiment? Amen. Pour Michael merci, et Yveline Lebeau, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur. Plus de bruit, plus d'honneur. Alléluia! Encore, encore, encore! Alléluia! Alléluia! Que ta grâce repose sur eux. Que ta bonté luise sur leur vie.
Seigneur, que ta bonté soit avec eux, que ta bonté soit avec leurs enfants. Nous les bénissons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on va prendre 5 petites minutes, si on peut se lever ensemble, pour dédier avec foi, dans la prière, le centre MCI au Seigneur Jésus. Je vais inviter le pasteur Moussa. On va faire très vite, en 5 minutes. J'ai connu le Seigneur, parce qu'un de ses serviteurs, le docteur Moussa Touré, est venu prêcher dans une petite ville en Bretagne. Et j'ai vu la démonstration de la puissance de Dieu pour la première fois de ma vie. Des malades guéris. J'ai cru, j'ai compris et j'ai vu que Jésus était vivant. Et j'ai eu cette révélation de Jésus-Christ, mort pour moi, par amour pour moi, et ressuscité, il est vivant. Et je lui ai donné ma vie, je me suis avancé devant et je suis né de nouveau, je suis entré dans le royaume. Et ma vie a changé. Et j'ai eu à cœur que le docteur Moussa, comme j'ai été sauvé à travers, pas lui, mais à travers la prédication de l'Évangile, qu'on puisse prier, frères et sœurs, pour que de ce centre, beaucoup d'âmes soient sauvées. Qu'un grand nombre soit sauvé. Je vais prier, puis Docteur Moussa va prier. Seigneur, comme Salomon, t'as dédié ce temple fait de main d'homme pour que tu y fasses descendre ta gloire et que tu remplisses ce temple de ta gloire et qu'il devienne un lieu de paix pour les nations. Seigneur, nous voulons ensemble, en famille, ton église, ton corps, te dédier ce centre. Comme je te l'ai dit tellement de fois, Père, si ce n'est pas pour voir ta gloire, ce centre n'a pas de but. Ce que nous voulons, c'est que ta présence remplisse ce lieu et soit diffusée dans tout ce qui sortira de ce lieu. Père, bénis la prédication de l'Évangile qui sera annoncée ici. Que les âmes soient sauvées. Que les vies soient transformées, que ce que ta parole montre dans le livre des Actes, que nous puissions le vivre dans la francophonie au nom de Jésus. Père, nous te donnons ce lieu, nous te dédions ce lieu, que ce lieu soit mis à part pour toi et que tout ce qui s'y trouve soit béni, que le ciel s'ouvre au-dessus du centre MCI, que tes anges montent et descendent de ce lieu et que ton esprit agisse puissamment. Père, ce lieu est pour toi, Jésus-Christ, Saint-Esprit, que ce lieu soit le lieu de ta visitation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, en regardant ce que tu as fait du centre, nous sommes ramenés à ce que tu as fait avec, effectivement, Salomon. Lorsque tu as agréé la consécration du temple, tu es descendu la même nuit et tu lui as dit, « J'ai choisi ce lieu pour moi-même. J'ai choisi ce lieu pour moi-même. » Nous sommes tous réunis aujourd'hui devant ton trône, ceux qui sont présents ici dans le centre et ceux qui sont partout dans les nations et qui ont participé pour que ce centre voie le jour. Nous sommes tous d'un commun accord pour te présenter ce centre
et te demander que ce soit un lieu que tu t'es choisi pour toi-même. Que le centre EMCI soit ton centre. Il t'appartient pour ta volonté, pour que tes buts soient accomplis, tes desseins pour les nations. Nous demandons simplement, en plus, que nous tous, ceux qui sont présents et tous les partenaires, ceux qui sont aujourd'hui partenaires, ceux qui seront partenaires demain, jusqu'au retour de Jésus, que nous tous nous devenions comme les pierres vivantes mentionnées dans ta parole, réunies ici en esprit, au-delà de l'apparence physique, comme une maison spirituelle autour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de t'offrir des sacrifices spirituels. Nous demandons que cette maison soit ton autel, l'autel de l'Éternel, pour que tes desseins soient accomplis. Nous demandons que tu utilises les émissions de ce centre comme des sacrifices pour toi, pour que les âmes soient sauvées. Les projets de ce centre, qu'ils deviennent des sacrifices acceptables par toi en Jésus-Christ. Nous demandons que les conférences qui vont se faire, tout ce qui va sortir de ce centre, que tout soit utilisé par ton esprit pour impacter les nations, afin que des milliards d'âmes viennent à connaître Jésus-Christ. Que ton esprit agisse dans les nations à partir du centre, de cet autel de prière, cet autel d'adoration, autel de la propagation de l'Évangile. Qu'à partir d'ici, ton esprit agisse pour que les captifs soient libérés, pour que les malades soient guéris, que les œuvres des ténèbres soient détruites partout dans les nations, que Christ soit révélé, qu'il y ait des réveils partout, des mouvements de réveil. Père, tu es capable, le centre est le tien pour accomplir tes desseins, que ce centre soit utilisé afin que des multitudes entrent dans leur destinée en Christ. Merci Père pour la grâce que tu nous donnes de faire part à ce que tu es en train de faire en ce moment même. Et nous voulons tous d'un commun accord te donner toute la gloire. Prends toute la gloire de tout ce qui va se passer. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Toute la louange. Que Jésus, le nom de Jésus soit exalté à travers le centre. Merci de nous avoir connectés, d'avoir fait une unité autour du nom de Jésus pour amener ton royaume sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés, les hommes de Dieu qui ont soutenu sans cesse. Seigneur, bénis-les et bénis l'œuvre de leurs mains. Prospère les familles, tous ceux qui sont en train de suivre les émissions. Père, qu'ils reçoivent quelque chose. C'est pour cela aujourd'hui même nous croyons et déclarons que de ton trône descende dans ce lieu. Ton trône descend dans ce lieu. Ta gloire descend dans ce lieu. Ta présence descend dans ce lieu. Ton feu descend dans ce lieu. Alléluia. La plénitude de ton esprit descend dans ce lieu. Ton règne descend dans ce lieu. La révélation de Christ. La gloire de Jésus. L'autorité du nom de Jésus descend dans ce lieu.
Oh Dieu, que l'atmosphère de ton trône envahisse les nations à travers MCI. Et nous t'acclamons, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Que les anges montent et descendent dans ce lieu. Tu gardes tes serviteurs, tu gardes tes enfants, tu gardes ton peuple, tu les protèges, tu les fortifies, tu nous gardes en unité. Merci Père, ce que tu as commencé, tu vas parfaire, tu vas perfectionner, parce que c'est de grandes choses qui sont à venir. De grandes choses. Et nous te l'avons demandé dans le nom glorieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons le vivre. Ce que nous avons déclaré, nous allons le vivre. Et sans plus tarder, frères et sœurs, on va passer au temps de la parole de Dieu. Je sais que... certaines personnes ont un emploi du temps très chargé et tu nous as fait l'honneur de ta présence pour ce moment important. Le pasteur Yvan, ben vous le connaissez tous, il est pasteur des églises ICC Impact Centre Chrétien et ça a été mon deuxième pasteur lorsque j'étais en région parisienne avec mon épouse Yveline. On a grandi à ICC, on est des enfants d'ICC et pour moi c'est un grand, grand privilège de l'avoir aujourd'hui. Et ce qui me touche le plus chez Pasteur Yvan, c'est son cœur d'adorateur, son cœur pour le Seigneur. Et j'ai trouvé un grand modèle et je crois qu'on va vivre cet après-midi quelque chose de fort. Et Pasteur Yvan, je veux t'inviter simplement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui, pour sa vie ? Wow. J'étais en train de dire avec, on était en train de se dire avec, avec mon frère Marcelo, vous savez, je ne vais pas être long, par la foi. Je voudrais juste que vous réalisiez que quelque chose, je pense qu'on l'a compris, on l'a saisi, et notre génération est une génération vraiment qui est bénie, et... mais je voudrais juste que vous réalisiez que nous sommes une génération que Dieu a suscitée. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire partout dans la francophonie. Et l'inauguration du centre EMCI, c'est un message. En fait, c'est un message. Il y a plusieurs messages dans cette journée spéciale de dédicace et d'inauguration. Donc, je vais juste donner quelques points. Je n'ai pas l'intention de, voilà, de tout énumérer, mais j'ai reçu plusieurs points prophétiques de ce que signifie cette inauguration. Mais je voudrais juste que... Nous réalisions vraiment que nous sommes une génération que Dieu a suscitée, à travers laquelle il est en train de manifester beaucoup de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas à cause de nous seulement. Ce n'est pas parce qu'on est brillant, ce n'est pas parce qu'on est visionnaire, ce n'est pas parce qu'on est conquérant, parce que tout ça, à la fin de la journée, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais je voudrais que chacun de nous réalise que nous sommes une génération qui est la moisson des pleurs, des gémissements, des supplications, des frustrations, de tout ce que nos pères, ceux qui nous ont précédés, ont vécu. Ils ont vécu, ils ont été humiliés. Les francophones ont été banalisés, méprisés. Beaucoup de gens ont posé la question, peut-il sortir de la francophonie quelque chose de bon ? Je connais des gens qui se disaient, je connais des gens qui, quand ils vont quelque part, même jusqu'à, en fait, jusqu'il n'y a pas longtemps encore, en fait, ils vont partout dans le monde, mais quand il faut aller dans des pays francophones, en fait, la francophonie, on ne la calculait pas. Et nos aînés, nos prédécesseurs ont été banalisés, méprisés. Et nous sommes la génération de la consolation. Nous sommes la génération de la réponse de Dieu. Nous sommes la génération à travers laquelle Dieu répond à ceux qui ont posé la question « Peut-il de la francophonie sortir quelque chose de bon ?» Dieu a répondu. Il n'a pas répondu par des paroles, il a répondu par des œuvres. Et EMCI,
est une œuvre par laquelle Dieu a répondu à ceux qui pensaient que rien de bon ne peut sortir de la francophonie. À travers EMCI, à travers la qualité de cette infrastructure, à travers le standard d'excellence qui se dégage de ce lieu, je me suis dit vraiment, moi qui n'aime pas du tout beaucoup venir au Canada, du moins pas en hiver, mais cet endroit est tellement agréable. Il fait plaisir d'être là. Et on se sent juste fiers. On est tous là, nous tous les pasteurs de tout. On est juste fiers de participer à ça et de voir cette page de l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu être en train d'être écrite dans la francophonie. Béni sois-tu parce que EMCI, l'inauguration du centre EMCI est un message que Dieu envoie. Vous savez, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à travers l'inauguration de ce centre, Dieu parle à la francophonie, à toi, à l'église dans la francophonie, mais Dieu parle aussi à chacun d'entre nous. Et c'est ça que je vais essayer de transmettre juste en quelques minutes. Dieu parle à travers ce centre. Et la première chose que Dieu parle à travers le centre EMCI, c'est que, un, tout est possible. Deux, francophonie, tu n'as plus le droit d'être complexé. Parce que de toi, Dieu est en train de faire sortir des œuvres qui inspirent le respect. De toi, francophonie, à travers le centre EMCI, Dieu est en train de faire sortir des œuvres qui inspirent le respect. Une œuvre qui n'a rien envié à tous les médias. À travers le centre EMCI, c'est une lumière qui a été suscitée par Dieu dans le monde des ténèbres des médias francophones. Un centre d'un niveau d'excellence, d'un cachet de qualité qui n'a rien à envier aux anciens médias, et chrétiens et séculiers, et un centre qui démontre que finalement, arriver après n'est pas un handicap. Venir derrière, être dernier n'est pas un handicap, c'est juste une question de grâce, c'est juste une question de foi, c'est juste une question de consécration, c'est juste une question d'obéissance. À travers le centre EMCI, Dieu montre que les derniers peuvent devenir les premiers. Alors c'est un message pour ta vie. C'est un message pour chacun d'entre nous. Qu'importe là où tu es, en tant que personne, en tant qu'église, ce n'est pas la fin de l'histoire. À travers le centre EMCI et les porteurs de cette vision, Dieu nous enseigne, nous tous. Francophonie. Les francophones, pendant longtemps, se sont diminués. Se sont eux-mêmes dévalorisés. Ils ne se valorisaient pas, ils ne se respectaient pas. Jusqu'à ce que Dieu suscite des visionnaires, comme Eric, comme Chantal, comme Michael et toute l'équipe EMCI. Et puis comme ma femme. Quelqu'un a dit que la modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. Donc, il ne faut pas citer son nom, mais je bénis Dieu de ce qu'il y a une génération de bâtisseurs du royaume. Il y a une génération de conquérants qui est en train d'être levée. Et qui a décidé que l'Église et le corps de Christ, on ne se souviendra pas seulement de nous pour avoir fait du bruit, mais pour avoir porté du fruit. On se souviendra de nous pas seulement par nos prédications, mais par les œuvres que nous aurons laissées, parce que ces œuvres inspirent le respect, même à la communauté des incroyants autour. Quand on voit le cachet de ce site, toute la région, et de Brambi, et même du Canada, toute la région ici, est obligée de reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. 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 Oh, Abba Père. Nous reconnaissons que ça c'est. Ça c'est le doigt de Dieu. EMCI t'annonce francophonie, église,
ne sois plus jamais complexé. Dieu t'a prouvé qu'il est capable. Alors il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi. Deuxièmement, je te dirais, le centre EMCI révèle que l'église de Jésus-Christ, dans la francophonie, on nous considérait comme les derniers. L'église a énormément mûri. Parce qu'à travers cette armée de donateurs généreux, Dieu s'est suscité un peuple. À l'intérieur du peuple, il y a un peuple qu'on appelle l'épouse. Il y a un peuple qu'on appelle les sacrificateurs. Il y a un peuple qu'on appelle les véritables adorateurs. Un peuple qui n'a pas eu honte et qui n'a pas été réticent à l'idée de se priver. La plupart des gens qui ont contribué pour le centre EMCI ne sont pas des millionnaires. Ce ne sont pas des riches, ce sont des gens comme toi et moi. Ce sont des veuves de Sarepta qui ont pris de l'or nécessaire, qui se sont serré la ceinture. Et la plupart ont donné sur plusieurs mois. Quand quelqu'un donne sur plusieurs mois, ça veut dire qu'il est en train de serrer la ceinture. Ça veut dire qu'il est en train de sacrifier. Et à travers le centre EMCI, nous célébrons une génération qu'on appelle l'église victorieuse, l'église glorieuse, les sacrificateurs, les véritables adorateurs qui sont à l'aise avec le mot sacrifice et qui ne renient pas le mot sacrifice. Ne nous empêchez pas de donner, parce que quand on ne donne pas, les occultistes ont mieux compris, ils ne sont pas gênés avec le mot sacrifice. Mais dans l'église, il y a une génération que Dieu a suscité, Dieu merci, qui a compris, comme David, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté, et qui a compris que sans sacrifice, il n'y a pas de feu. La raison pour laquelle l'église est faible dans beaucoup d'endroits, c'est parce que les chrétiens ne sont pas accoutumés à la notion de sacrifice. Le sacrifice n'est pas que financier, bien sûr. Le sacrifice, c'est l'offrande de sa vie. Mais lorsqu'on donne sa vie, alors on prend plaisir à donner ses talents, son temps et ses trésors pour la construction de la maison de Dieu. Et aujourd'hui, partout dans la francophonie, on voit sortir des édifices qui expriment un peuple qui dit « Ne m'empêchez pas de donner ». Oui, c'est vrai, parfois je sème avec larmes, mais je sème avec joie parce que je sais que je récolterai avec chant d'allégresse, mais je sais que je suis en train d'être un bâtisseur, je suis en train d'être un constructeur, je suis en train d'être une pierre vivante d'un édifice et je refuse que mon nom ne soit pas inscrit dans cet édifice spirituel que Dieu est en train de construire. Oh, à travers le centre EMCI, l'Esprit m'a dit, l'Église a mûri. Alors acclamons Dieu pour l'Église qui a mûri et qui a envie de donner et qui a donné. Ce sont des contributeurs. Il a dit 30 000 personnes. 30 000 personnes. Wow, 30 000 contributeurs. Pour la plupart, des sacrificateurs. Tu n'es pas un sacrificateur tant que tu n'as pas offert à Dieu des sacrifices. Et beaucoup ont donné pendant plusieurs mois. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. L'Église a mûri. Et on peut être fier de ça. On peut être fier de ça. C'est tout un message. Et ça prouve également que l'Église de Christ est généreuse. Elle a mûri, elle est généreuse. Et lorsque on lui présente à l'Église de Jésus-Christ une vision excellente, ambitieuse, portée par des gens d'intégrité et de caractère, lorsque les gens voient qu'ils sont édifiés, qu'ils sont nourris, qu'ils sont challengés, qu'ils sont restaurés, qu'ils sont guéris. Les gens n'ont pas. Les gens veulent donner. Ils sont contents de participer. Ils sont contents de s'offrir eux-mêmes comme des sacrifices vivants. Ils le font par amour, mais ils font également avec la certitude que Dieu, au temps convenable, leur donnera de moissonner. Seigneur, béni sois-tu pour la francophonie. Béni sois-tu parce que le centre EMCI te prouve que l'Église a mûri. La troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est que le centre EMCI et la manière dont les contributeurs se sont levés partout dans le monde pour ensemble apporter, amener à manifestation cette vision. La troisième chose que ça révèle, le centre EMCI, c'est qu'un réveil spirituel a déjà commencé dans les cœurs, dans plusieurs milliers de personnes dans la francophonie. Il y a un réveil qui a commencé. On prie pour le réveil,
Mais laissez-moi vous dire, le réveil a commencé. Parce que la preuve du réveil, ce ne sont pas les miracles et les signes, non. La preuve du réveil, c'est lorsque le peuple de Dieu revient à le désir de voir Dieu révélé, à la soif de Dieu, donne son cœur tout entier à Dieu et décide de devenir une plateforme qui va permettre la manifestation des desseins de Dieu dans son époque et dans sa génération. La preuve d'un réveil dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple de Dieu décider de s'occuper en premièrement de la maison de Dieu, c'était toujours un signe d'un réveil spirituel qui est en train de s'opérer dans le cœur des hommes. Peut-être pas tout le monde, mais laisse-moi te dire une chose. Il y a des milliers de personnes qui sont en train d'expérimenter un réveil parce que hier, ils pensaient d'abord à eux, mais à travers le centre EMCI et à travers d'autres œuvres qu'on voit partout dans la francophonie, aujourd'hui, un peuple a tellement mûri qu'il a compris que la maison de Dieu d'abord, l'œuvre de Dieu d'abord. Et je suis admiratif de voir comment Michael, comment Jérémie, comment Franck, comment ils ont tout donné pour l'œuvre de Dieu. Ils ont investi les fonds dans l'œuvre de Dieu pour amener à manifestation un édifice si excellent, alors qu'ils se sont privés eux-mêmes. Alors j'ai demandé à Michael pour vérification de m'envoyer une photo de sa maison. Et j'ai vu la simplicité, j'ai vu l'humilité. En fait, je crois qu'il y a un temps pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a un temps de rémunération. J'admire les personnes qui, comme nous, mon épouse et moi, ont décidé avant eux de donner d'abord à Dieu, avant eux de sacrifier, d'abord de construire la maison de Dieu. Et maintenant, je crois que lorsqu'on construit la maison de Dieu, Dieu nous construira lui aussi une maison. Je le dis parce que c'est facile de voir des gens qui s'occupent d'eux d'abord. Mon entreprise, ma maison. Mais béni soit Dieu pour les personnes qui disent Dieu d'abord. On va sacrifier pour Dieu d'abord et Dieu se souviendra de nous après. Que Dieu bénisse les visionnaires, que Dieu bénisse les contributeurs, que Dieu bénisse les partenaires de EMCI. On dit Amen! Dans Agé chapitre 1, au verset 14, dans Agé 1 au verset 14, il est écrit « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shemassiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. » Tu vois, l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, réveilla l'esprit de Zorobabel, et réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Et il dit, « Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. » Ça prouve que le fait de décider de contribuer pour construire la maison de Dieu, Dieu le voit comme étant un réveil spirituel. Je te dis que le réveil a commencé. Il va s'amplifier, mais il aura été enfanté par des départs de feu. Et les départs de feu, ce sont les contributeurs, les partenaires, tous ceux qui ont semé dans cette vision. Oh, laisse-moi te dire une chose, tu seras un départ de feu dans ta famille, dans ta maison, dans ta église, dans ta génération, dans ton époque. Tu seras un départ de feu. À cause de ton réveil, plusieurs seront réveillés. Oh, bénis Dieu pour toi-même. Donne amen comme le tonnerre. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour ton doigt. Ce n'est pas une œuvre humaine, non. Nous reconnaissons que ça c'est le doigt de Dieu. Oh Père, nous reconnaissons que c'est ton doigt. Ce n'est pas la compétence humaine. C'est toi qui as oint. C'est toi qui as rendu capable. Et cet après-midi, nous sommes en train juste de te rendre la gloire, mais de célébrer les accomplissements, de célébrer l'obéissance des hommes, l'obéissance, Seigneur, des hommes et des femmes de cette armée identique à la veuve de Sarepta. Oh, merci, Père. Nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre nous d'avoir fait partie des contributeurs, de ceux qui ont vu, ceux qui ont cru avant de voir. Merci. Abba Père, au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Amen. L'inauguration du centre EMCI est un message multiple. Et ça montre qu'une génération de véritables adorateurs s'est levée dans notre génération.
dans notre chère francophonie. Ça montre que de bonnes choses sortiront de la francophonie pour impacter. Ça montre que de la francophonie peuvent sortir des œuvres qui inspirent le respect aux incroyants, mais même au-delà de la francophonie. Beaucoup sont déjà sidérés en voyant ce que Dieu a fait à travers ce centre. C'est tout un message. Et beaucoup viendront. Et ils viendront ici, et ils viendront en France, et ils viendront en Afrique, et ils viendront partout. Parce que ce que nous voyons signifie, l'inauguration du centre EMCI signifie qu'une brèche a été ouverte dans le monde invisible. Une brèche a été ouverte dans la francophonie. Et quand on dit qu'une brèche a été ouverte dans la francophonie pour le corps de Christ, je veux que tu comprennes que c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour EMCI, mais c'est vrai pour ta vie à toi également. Dès lors qu'une brèche a été ouverte, hein, tu es dans un monde de possibilités où plus rien n'est impossible. Dieu te le prouve à travers des témoins. Dieu te le prouve à travers ses messagers. Rien n'est impossible. Alors toi aussi, imite ceux qui par la foi et la persévérance ont vu la manifestation des promesses. Laisse-moi te dire une chose. Une porte a été ouverte. Une brèche a été ouverte. Il y a eu une explosion. Il y a un corridor surnaturel, divin, spirituel qui a été créé. Désormais, l'impossible est devenu possible. Désormais, ce qu'on disait impossible dans la francophonie, pour ta vie, pour tes projets, tant que tu commences par accorder la priorité à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu, à l'édifice de Dieu, laisse-moi te dire une chose, tout est possible pour toi également. En connectant, en semant, en contribuant dans le centre EMCI, ce qui s'est passé pour toi, c'est que tu as connecté, tu es devenu un bâtisseur du royaume. Et laisse-moi te dire une chose, lorsque tu es devenu un bâtisseur du royaume, tu as connecté à la grâce. Dès lors que ce bâtiment est fini, ce bâtiment est chargé d'une grâce, il est chargé d'une capacité surnaturelle. Ça veut dire que la grâce dans laquelle tu sèmes détermine la grâce qui pousse dans ta vie. L'Esprit m'a dit de te dire, comprends ce que ça signifie. Ça signifie que parce que tu as commencé à semer et tu as donné pour la réalisation de cet édifice, désormais un corridor est ouvert pour toi. Va. Là où hier ça n'a pas marché, repars. Là où ça n'a pas réussi, repars. Là où ça n'a pas abouti, repars, repars. Parce que à partir de cette inauguration, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui ont été des contributeurs de cette œuvre extraordinaire, désormais, à partir de ce jour, voient venir sur eux un manteau, un revêtement. La grâce de la maison EMCI va reposer sur toi. Ça veut dire qu'il y a une capacité, il y a un poids nouveau, il y a une grâce nouvelle. Ton poids spirituel a augmenté si tu as fait partie des partenaires et c'est ton cas. Désormais, repars. Là où les portes étaient fermées, repars. Là où tu avais échoué, repars. Ça ne sera plus le même combat, ça ne sera plus la même réalité. Un nouveau manteau, une nouvelle grâce, une nouvelle capacité t'a été donnée. Si tu crois que cette parole est pour toi, donne amen. Nous sommes émerveillés, admiratif de voir le soin qui a été apporté dans tout ce qui se trouve dans ce site. Juste extraordinaire. Je disais à ma femme tout à l'heure, mon Dieu, heureusement que pour nous, avec la cité royale, on a tiré la chose vraiment haut. Sinon, ces gens nous auraient dépassés. Heureusement, Dieu est trop bon. Parce que purée, nous, on est quand même à la capitale de la francophonie. Il n'aurait pas été bienséant et il aurait été un désordre que ce soit d'un endroit qu'on appelle Brambi, on ne sait d'où, et que... Non, non. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde. Il faut que l'ordre divin soit respecté et il faut que les grands hommes viennent quand même de Paris. Miséricorde. Mais acclamons Jésus pour le Brambi parce que à cause de EMCI, vous vous rendez compte, EMCI, le centre EMCI est la preuve que ce n'est pas une question d'endroit. C'est une question de poids, des personnes qui transportent la grâce. Là, non, pour moi, c'est tout un message. Le centre EMCI te prouve que n'importe quel endroit méconnu, taudis, perdu, j'ai pas dit que c'est un taudis, j'ai pas dit ça, mais je dis n'importe quel taudis. En fait, le centre EMCI te prouve ce qu'on a vu avec la pêche miraculeuse. Ce n'est pas une question d'endroit. Il peut y avoir la sécheresse là. Tu as pêché toute la nuit, tu n'as cueilli aucun poisson. Mais lorsque tu es enceinte de la volonté de Dieu, quel que soit l'endroit, tu vois, le centre EMCI te prouve que si tu es pasteur et que tu dis, mon église ne réussit pas parce que je ne suis pas au bon endroit, je t'assure que ce n'est pas une question d'endroit. Tant que la gloire de Dieu atterrit dans l'endroit, c'est toi qui définis l'endroit. Oh! C'est toi qui définis l'endroit.
tout ce dont j'ai besoin, c'est que Dieu soit là. Voilà pourquoi ça fait des années que j'ai dit, et je l'ai dit encore récemment, non, ma présence quelque part va faire de ce lieu le quartier général de la gloire de Dieu. Alors j'ai dit la semaine dernière, je bénis Dieu pour les croisades de miracles et de guérisons qui ont lieu partout en Afrique, à Madagascar, etc. Mais j'ai dit à Dieu, le problème c'est que moi j'habite en France, j'habite pas en Afrique. Alors Seigneur, ce qu'on voit en Afrique, on va le voir en France. J'ai compris que ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de plateforme. Lorsque quelqu'un se livre comme un sacrifice vivant pour devenir une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. EMCI a prouvé que lorsqu'on décide de devenir une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu, ce lieu devient le QG. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Je ne connaissais pas Brangby. C'est Brangby, c'est ça? Comment? Granby. Mais c'est ça le problème, je ne connais pas. Mais ce lieu va devenir connu à cause du centre EMCI. Les gens vont converger de partout dans le monde à cause du centre EMCI. Oh! Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qui est en train de se passer ici, la grâce qui atterrit là, est la même grâce qu'on va voir dans ta vie. Amen. Et ta vie à toi, individuellement, va servir à démontrer que ce n'est pas une question d'endroit. Et que là où je suis, si seulement j'ai un cœur tout entier à Dieu, et que j'ai un cœur qui bat pour le plaisir du Père, pour le salut des âmes, l'affermissement des âmes, et si j'ai un cœur qui bat, pas pour que je sois connu, mais pour qu'il soit connu et révélé, alors la même grâce va localiser mon histoire, localiser ma destinée, et la même grâce va me soulever à ma Père. Prends la grâce que toi télécharger sur EMCI, répands-la sur les contributeurs, répands-la sur les partenaires, répands-la sur ton peuple et fais de ce peuple, Abba Père, une armée embrasée, des plateformes d'atterrissage de la gloire de Dieu. Dans des petites maisons, dans des petites villes, dans des petits villages, la gloire va arriver au nom de Jésus. EMCI te prouve. EMCI te prouve que ce n'est pas l'endroit qui te fait, c'est toi qui fais l'endroit. Ouais. Si tu dis Amen, alors acclame-le. Si tu crois que cette parole est vraie, alors acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Ça, c'est le doigt de... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est le doigt. Le même doigt vient sur ta vie. Le même doigt vient sur toi. Oh, il est sur EMCI TV, mais il est également sur ta vie. Il me dit de te dire, repars essayer, repars parler, repars, repars. Tu ne repartiras pas à vide, tu ne repartiras pas à nu. La main qui a construit EMCI TV est sur toi pour construire ta vie, pour construire ton histoire, construire ton témoignage. Parce que Dieu va honorer ta contribution. Tu vas honorer ton sacrifice, tu vas honorer ta foi et tu vas honorer ta générosité. Amen. La qualité de ce centre parle. Vous savez, les édifices, nous. Tu sais, quand tu construis, je t'assure, quand tu construis, tu as un respect terrible pour ceux qui commencent et qui finissent. Vous savez, en Afrique, ce qui est bien chez nous en Afrique, bon, dans la plupart de nos pays, c'est que les banques prennent ton argent, mais ne te prêtent pas. Donc, construire, c'est un vrai défi. Et quand en Afrique, tu vois quelqu'un qui commence une maison, bon, s'il la construit de manière correcte, hein, à la loyale, tu comprends, avec le fruit de sa productivité. Mais tu respectes. Parce que derrière un tel édifice, je ne sais pas ce que toi tu vois, on l'a dit, ils l'ont dit, mais la qualité de ce qu'on construit pour Dieu révèle l'honneur que l'on a pour celui à qui on construit ça. À travers le centre EMCI et ses partenaires, ses visionnaires et ses partenaires, Dieu s'est trouvé un peuple qui a décidé de l'honorer. La qualité de ce qu'on construit révèle également l'amour que l'on a pour celui pour qui on construit. À travers la construction de ce site, Dieu maintenant peut répondre aux hôtels sataniques, aux hôtels maléfiques,
quand tu vois ce que les autres construisent pour leur divinité satanique. Pendant longtemps, j'ai un jour entendu cette conversation invisible où des voix sataniques se moquaient de Dieu en disant « Tu as vu ce que mes adorateurs m'ont construit ? Regarde le temple qu'ils m'ont construit. » Ils n'ont pas eu honte de se priver, de renoncer, de se sacrifier. Alors j'entends les temples des idoles dire « Ça, c'est ce que mes adorateurs m'ont offert. » Et toi, qu'est-ce qu'ils t'ont offert, toi ? Et un jour, Dieu m'a dit, je me suis trouvé une génération, un peuple, une génération d'hommes et de femmes qui ne permettront plus que mon nom soit méprisé. Parce que nous, on dit non, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est bien. Mais tu vois, le temple, c'est également les endroits où on se réunit, où on se réunit. Et pendant longtemps, on avait une mentalité de quand c'est pour moi, c'est excellent. Puis quand c'est pour Dieu, on fait juste le strict minimum. Ok, on met juste des tôles, la peinture et tout ça. Mais il y a une génération que Dieu a suscitée. Celle qui dit, je refuse de donner à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Et à travers cette génération, Dieu est fier. Parce que ce qu'on donne révèle l'amour en action et en vérité, pas en parole. Alors Dieu s'est trouvé un peuple qui a décidé de l'aimer et de démontrer qu'il aime, pas par ses paroles, mais par ses actes, et avec vérité. La qualité de ce qu'on construit révèle également les larmes, les douleurs, les stress, les sacrifices, les humiliations, les mauvais traitements, les rabaissements, les portes fermées, les rejets. Ça, c'est ce que... Bon, les contributeurs ne voient pas ça. Mais ça, c'est l'expérience des porteurs du projet. Et c'est pour ça que la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'honorer Michael. Parce que moi, je sais un peu ce qu'il a bavé, ce qu'il a traversé. Et avec Jérémy, avec Annabelle, avec Yveline, avec Franck. Et les amis, vraiment, on est fiers d'être là. Et moi, je vous dis juste, les gars, vous avez tenu. Nous, on a tellement bavé, nous. On a tellement encaissé. J'ai vu tout. J'ai tout entendu. J'ai vu le mépris, j'ai vu le racisme, j'ai tout vu. J'ai tout vu avec ce qu'on a fait à Paris. Et quand c'est comme ça, on ne dit rien. Un jour, on m'a dit, on nous a dit, vous êtes allé voir une banque. On ne savait pas ce qu'ils avaient dit derrière. Quoi. Ils avaient dit, en fait, on est parti les voir, ils ont dit, on ne peut pas vous financer et tout ça. Parce qu'on se disait, si on peut avoir quand même un concours bancaire, ça serait pas mal. Et puis, quelqu'un nous a dit, un conseiller d'affaires nous a dit, la prochaine fois que vous allez voir des banques, allez avec des Caucasiens parce que... Vous comprenez quoi? Ça m'a tellement écœuré. Et j'ai posé la question au gars. J'ai dit, dis-moi, quand les Émiratis là, vont voir les banquiers, là, les Chinois, là, tu penses qu'ils prennent, avec leur soutane, ils mettent leur boubou et tout ça, là, tu crois qu'ils ont besoin de prendre des gens? Non, on les respecte, on leur ouvre la porte. Je leur ai dit, tu sais, si quelqu'un n'y croit pas, tant pis pour lui. Romains 3, verset 3 dit ceci. Quoi et quoi? Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il m'est bon d'être humilié. Et quand Dieu le fait, on est juste reconnaissant. Voilà pourquoi on a, la Bible dit, honoré de tels hommes. Chapeau bas pour les visionnaires. Chapeau bas, respect les gars. Vous êtes rentrés dans le livre de souvenirs de Dieu. Mais vous aussi les contributeurs. Mais ceux qui ont porté, ceux qui ont supporté, enduré. La Bible dit quand même qu'ils méritent un double honneur. Pouvez-vous m'aider à acclamer Jésus encore ? Pour cette équipe EMCI, acclamons-le pour cette équipe, pour cette équipe, pour ces gladiateurs, ces soldats, ces visionnaires. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu.
Je vais finir avec ceci. L'inauguration du centre EMCI est un signe pour toi, en tant qu'église, mais également en tant qu'individu, de ce que Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour accomplir ses desseins à travers toi. Dieu a juste besoin que tu le laisses greffer en toi son cœur. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'a pas besoin que tu sois compétent. Il n'a pas besoin que tu connaisses tout. Il n'a pas besoin que tu vois tout en avance. Il a juste besoin d'un cœur qui bat pour lui. Et le cœur de Dieu, le cœur qui bat pour lui, c'est le cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu est un cœur, et on l'a dit, qui soupire pour le salut, mais également l'affermissement des âmes. Ce n'est pas la peine de les sauver si on ne sait pas les enraciner. Et ça, c'est exactement le cœur de Michaël et de Jérémie. C'est un cœur admirable depuis que je les connais. Le cœur de Dieu. En fait, ce centre EMCI est un message que Dieu t'adresse également pour ta propre destinée. Pour ce que Dieu veut faire à travers toi. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais fais seulement de son cœur ta priorité absolue. Laisse-le respirer à travers toi. Laisse son cœur battre en toi. Parce que quand tu as le cœur de Dieu qui bat en toi, ce n'est pas un cœur qui désire être grand. Moi, j'ai découvert que les gens qui font des exploits, les gens qui marchent sur l'eau, n'avaient pas pour intention de marcher sur l'eau. Ce n'était pas leur rêve, ce n'était pas leur ambition. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'ai découvert que les gens qui font des exploits avec Dieu ne rêvaient pas de faire des exploits. Pierre, quand il a marché sur l'eau, son rêve, ce n'était pas « Oh, que je sois le premier homme à marcher sur l'eau. » Il avait juste deux motivations. La première motivation, il avait ras-le-bol du statu quo. Ras-le-bol d'être dans la barque de la galère, la barque de l'immobilisme, la barque du tourner en rond, la barque de la religiosité, la barque de la tradition, la barque du train-train. Il voulait juste un. Il disait à l'intérieur de lui, il y en a assez. Assez, c'est assez. Il faut que ça change. Les gens qui font des exploits avec Dieu ne projetaient pas de faire des exploits. Moi, j'ai découvert qu'il y a des gens qui veulent avoir un nom grand. Généralement, leur nom ne devient pas grand. Ils peuvent acheter les likes et les notoriétés, les abonnés. Ce n'est pas ça qui produit un nom grand. Et puis, j'ai découvert qu'il y a des gens pour lesquels Dieu dit « Je rendrai ton nom grand. » Les gens qui font des exploits, qui marchent sur l'eau, et on peut sincèrement dire, quand on voit la qualité de cet édifice, de cette infrastructure et son équipement, on peut dire que les gars, vous avez marché sur l'eau. C'est un exploit surnaturel. C'est un prodige à nos yeux. C'est une merveille dans notre époque. Mais elle n'est pas le résultat d'une ambition de dire on veut faire ça. Elle est juste le résultat de gens qui en avaient assez de ce que les choses ne changeaient pas. Et puis j'ai aussi compris que Pierre a marché sur l'eau parce qu'en fait, il voulait juste être attaché à Jésus. Il voulait être là où était Jésus. Il en avait d'être assez avec des gens qui n'avancent pas. Il voulait juste être là où était Jésus, attaché à Jésus. Il a eu la même attitude sur la montagne de la transfiguration. Il voulait juste être là. Son ambition, ce n'était pas de faire de grandes choses. Son ambition, c'était d'être collé, serré, d'être attaché, d'être de connecté et de demeurer là auprès de lui. Et j'ai découvert que c'est le secret des gens qui accomplissent des exploits avec Dieu. Alors, le centre EMCI, c'est un message que Dieu t'envoie. Imitez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Regarde le chemin qu'ils ont suivi. Regarde la résilience, regarde la détermination, regarde le zèle, regarde la soif de Dieu. Tu as entendu Michaël te dire, lui il a dit à Dieu, je ne te demande pas la grandeur, je ne te demande pas la popularité, je ne te demande pas la notoriété. Et il n'a pas, non seulement il a dit, mais il a manifesté parce qu'il a mis Jérémie devant. Il a mis Jérémie devant, il était toujours derrière. C'est aujourd'hui qu'on connaît Jérémie, il n'y a pas longtemps, pardon, Michaël. C'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est Jérémie qui fait connaître Michaël en vérité, parce qu'on ne connaissait pas Michaël. Moi je le connaissais, mais on ne le connaissait pas. Le grand public ne le connaissait pas. Ça fait pas longtemps. C'est le cœur d'une personne qui ne cherchait pas à apparaître, qui désirait seulement que Dieu apparaisse. Alors à travers leur histoire, leur parcours, leur témoignage, Dieu nous enseigne et Dieu nous interpelle chacun d'entre nous. Imitez ceux qui par la foi
Et la persévérance hérite des promesses. Alors je prie que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous la grâce d'observer, la grâce d'être conscient de ce qu'un manteau, une grâce est venue sur nous à partir de ce jour, de ces prières, de consécration. Il y a une main invisible qui a emmené ce bâtiment à manifestation. La grâce dans laquelle tu sèmes détermine la grâce qui pousse dans ta propre vie. Je veux que tu sois conscient de ce qu'une brèche a été ouverte, une grâce supérieure a été relâchée. Désormais, va, cours. Ne t'appuie pas que sur ta grâce. Sois conscient de ce que tu as des épaules qui ont été amplifiées. À partir de cet instant, va. Toi aussi, manifeste les desseins que tu voulais manifester à travers ta vie, dans ton époque et dans ta génération. Au nom de Jésus, Mantabare, Chandamare, Tosakabare, Ayikabaro, Abapé. Nous te disons merci pour l'obéissance de ton serviteur Michaël, des Aaron, des Hur que tu as mis à côté de lui. Nous te disons merci parce que l'obéissance qu'il a manifestée est le résultat de ta grâce. Nous te disons merci pour l'armée des contributeurs que tu as fait venir de la francophonie, mais au-delà de la francophonie. Nous te rendons grâce pour ces contributeurs et ces contributrices. Ces profils veuves de Sarepta. Ces profils, la veuve qui a donné un sou. Ces profils des sacrificateurs qui ont décidé de ne pas t'aimer en parole, mais en démonstration, en action et avec vérité, par la qualité de leur sacrifice. Abba Père, souviens-toi d'eux. Au carrefour de leurs défis, de leurs besoins, de leurs attentes, souviens-toi d'eux. Dieu, qui n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour ton nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu, qui n'est pas injuste pour oublier, souviens-toi. Et des visionnaires et des partenaires, au carrefour de leurs supplications, exauce-les. Tu as dit à David, et ce que tu as dit à David, tu le dis à chacun d'entre nous, parce que tu as eu à cœur de me bâtir une maison. Ainsi parle l'Éternel, le Saint-Esprit. Moi, je te bâtirai une maison, je te bâtirai une dynastie. À partir de toi, sortira de tes entrailles, te sortira de tes entrailles une lignée de royauté. Il n'y a plus personne qui sera broque, démantelé, disloqué dans ta famille. La lumière brillera toujours à partir de toi et dans les générations à venir, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton sacrifice, à cause du prix que tu as payé. Abba Père, Dieu qui n'est pas injuste pour oublier, souviens-toi. Ceux qui, pendant les travaux, se sont sentis vidés, épuisés, vidés de l'intérieur par le stress, les soucis, les angoisses, les tribulations, les barricades sataniques, les portes fermées. Abba Père, rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunère ceux qui t'ont servi, rémunère les visionnaires, rémunère les partenaires, rémunère tous ceux qui ont été des pierres vivantes de cet édifice EMCI. Il y en a qui sont malades dans leur corps. Abba Père, tu as guéri ta habitat à cause de l'autel qu'elle a construit. Tu as guéri ta habitat à cause de l'autel qu'elle a construit lorsqu'elle est morte. Les gens ont refusé sa mort. Ils sont allés voir Pierre. Il y a d'autres morts qu'on accepte, mais elle, sa générosité l'a distinguée. Le bien qu'elle a fait l'a distinguée. Au point que lorsqu'elle est morte prématurément, l'Église a dit, oh non, hors de question, pas d'habitat. Pourquoi est-ce que d'habitat a été distingué? Sa générosité, ses sacrifices, son amour large, son amour pratique, démontré en action et avec vérité l'a distingué. Et il y en a qui ont porté le centre EMCI et qui portent leur Église au quotidien et qui ont à cœur ton œuvre et ton fardeau, Seigneur. Je demande, ils sont malades dans leur corps, ils sont oppressés dans leur âme, ils sont oppressés dans leur corps. Alors qu'ils sont généreux, alors qu'ils espèrent en toi, alors qu'ils s'appuient sur toi, alors qu'ils s'attendent à toi, Dieu de la rémunération, rémunère-les, souviens-toi, étends ta main, fais justice, fais justice, fais justice, guéris ceux qui sont malades dans leur corps, libère ceux qui sont oppressés, que ta main qui a mené le centre EMCI à manifestation,
Que ta main qui a fini ce que tu avais annoncé, que ta main qui a confirmé la prophétie que tu avais donnée à ton serviteur Michaël, que la même main du Seigneur, à travers le glorieux Saint-Esprit, soit déployée maintenant au son de ma voix sur quiconque a porté cette œuvre. Abba Père, rémunère-le, fais justice, délivre, restaure, console, sauve, relève, redresse, redimensionne, rétablis, repositionne. Abba Père, accomplis tes desseins, accomplis ta volonté qui est de faire le bien, accomplis ta volonté qui est de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, accomplis ta volonté d'envoyer ta parole, accomplis ta volonté de guérir les cœurs brisés, accomplis ta volonté de libérer les prisonniers, accomplis ta volonté d'ouvrir les yeux des aveugles, accomplis ta volonté de redresser, de ramener les perdus à toi, accomplis ta volonté de faire de chacun et de chacune une lumière qui brillera au sein des ténèbres. Manifeste ces lumières qui se sont distinguées par leur cœur généreux. Manifeste ces lumières et ne laisse pas les ténèbres les asphyxier. Ne laisse pas les ténèbres les oppresser. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres du découragement, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres des oppressions. Non, ne laisse pas les ténèbres prévaloir, car c'est toi qui par la parole prophétique a dit, non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Abba Père, que maintenant marque soit établie, manifestée la saison où la tyrannie des ténèbres sur la vie des parents et des visionnaires de EMCI, que la main des méchants soit brisée au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres soient dissipées. Et c'est toi qui as dit, donnez, et vous sera donné. Alors Abba Père, Dieu de fidélité et de justice, parce que ton peuple a donné, maintenant donne-lui en retour. Au carrefour de ses supplications, de ses gémissements, ramène, Seigneur, les enfants qui ne te connaissaient pas, les enfants qui avaient été mordus, qui avaient été emportés et dévorés par le diable englouti. Abba Père, que la grâce qui a mené à manifestation le centre EMCI soit relâchée dans chaque famille, soit relâchée dans chaque personne, soit relâchée dans chaque destinée. Que le bras qui a mené cette œuvre à manifestation soit déployé au nom de Jésus-Christ pour briser le bras des méchants, réduire à néant, briser les jougs, ôter les fardeaux et manifester les destinées. Ceux qui ont semé, donne-leur maintenant de récolter avec chant d'allégresse. Abba Père, j'entends une trompette dans le monde invisible. Ce jour marque un jour spécial. À partir d'aujourd'hui, quand tu partiras à tes combats, tu ne porteras plus seul tes combats. Ah, bien-aimé, je vois un manteau de grâce relâché depuis le trône de grâce, relâché sur ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu vas prier, le poids de ta prière a changé. Parce que ça sera ta voix, mais ça ne sera plus le poids. Ça sera le poids que tu avais hier, et plus le poids de la gloire de Dieu, le poids de la main de Dieu qui a mené cet édifice à manifestation. Je vois ce poids de la gloire de Dieu entrer dans tes combats, entrer dans tes défis, entrer dans tes luttes et changer la nature de la bataille, changer la nature du combat. Je déclare le triomphe, je déclare la faveur et je déclare la rémunération. Des intérêts composés de tes souffrances, de tes labeurs, de tes cris, de tes pleurs, de tes privations. Que le Dieu de justice et de la rémunération te rémunère. Au nom de Jésus, le Christ. Abba Père, merci. Merci. Parce que tu fais de nous la génération de la moisson. Ce n'est pas à cause de nos efforts, de nos onctions, de nos talents. Non, nous avons été précédés par des pleurs. Nous avons été précédés par des sacrifices. Nous avons été précédés par des mépris endurés, expérimentés par les chrétiens qui nous ont précédés. On leur a dit pauvres comme un rat d'église. On leur a dit médiocres comme l'église. Et ici au Québec, ils ont toutes sortes de jurons. Mais Abba Père, l'inauguration du centre EMCI marque le rétablissement du respect divin. Oh, Dieu sera respecté à cause du centre EMCI et à cause des partenaires. Et la grâce relâchée sur le centre EMCI et la grâce relâchée sur ta vie. Je te dis que Dieu sera respecté.
De la même manière que Dieu sera respecté à travers le centre EMCI dans ta vie. Christ qui a été banalisé, méprisé. On a injurié ta foi, on a critiqué ta foi. Parce qu'on a vu à ce que tu es ta vie, ce qui sortait de ta vie. On a dit, pff, rien de bon. La même grâce vient sur toi. De la même manière que le monde va respecter, ceux qui ont méprisé vont valoriser et célébrer. Ceux qui t'ont diminué, comme Joseph, viendront demander pardon. Et je vois les païens venir ici. Ils viennent déjà. Je les vois venir en grand nombre. Demandez la sagesse ici. Demandez la sagesse. Il a dit, vous prêterez aux nations, vous n'emprunterez pas. Je les vois venir demander comment vous avez fait. Expliquez-nous. Je vois des grandes chaînes. Je vois des églises venir demander, des médias venir demander la sagesse. Il est en train de me dire que ce qui va se passer pour eux, les visionnaires, va se passer pour les partenaires. Les gens viendront emprunter la sagesse infiniment variée de Dieu qui va sortir de toi. Oh, oh. Cette parole s'accomplira dans la vie de celui qui va dire amen comme le tonnerre. Oui, Padre Keto Sakabara. Oh mon frère, Romains 3, verset 3. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite n'a pas besoin de croire. Il suffit seulement qu'une personne croie. Et Michael, Jérémie, Franck et leurs épouses sont la preuve et tout le staff sont la preuve de ce que. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Pose Paul la question et pose Paul répond lui-même. Loin de là. Alors cette grâce que je vois relâchée, tu partiras ici avec cette grâce, une grâce amplifiée. Et chaque session de ce week-end, à travers chaque session, Dieu va ajouter, augmenter, déverser un niveau de grâce, un niveau de grâce. Et quand tu sortiras d'ici le dimanche soir, tu seras ivre du poids de la gloire. Tu seras ivre de l'esprit. Et quand tu partiras, mon frère, ma soeur, ça sera le même visage physique, mais ça ne sera plus le même visage spirituel. Parce que je vois la grâce qui a établi et construit cette maison à localiser les partenaires qui sont enthousiastes et qui croient. Et comme la parole de Dieu a besoin de réponse, Marie a dit qu'il me soit fait selon cette parole. Et comme la parole a besoin d'un amen, celui qui dit amen comme le tonnerre, localise-le, 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 localise-le. Abba Père, nous te rendons grâce de ce que il est écrit que c'est poussé par des hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit, que holy men, des hommes saints, ont parlé de la part de Dieu. Merci Père de ce que tu as mené à manifestation les premières paroles que tu avais relâchées à ton serviteur Michael. Maintenant, les visions, les prophéties, les paroles, les promesses que tu as téléchargées dans son cœur pour la suite de l'aventure. Abba Père, nous te rendons grâce de ce que, puisque tu as manifesté la première partie, nous n'avons aucun doute de ta capacité, de ta fidélité et de ta toute suffisance pour accomplir la saison 2 de EMCI. La saison 1 est finie. Commence maintenant une nouvelle ère, une nouvelle trajectoire. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié et rendu grâce avec action de grâce. Amen, 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 amen. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le pour toi-même. Acclame-le pour les visionnaires. Acclame-le pour les partenaires. Acclame-le. Sorcier. Sorcier. Mate, madra douce. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. Est-ce qu'il faut que je te dise, il faut que je te dise une chose? En fait, tu n'as pas compris. Acclamer Dieu, acclamer, c'est tout un message. Acclamer Dieu, ce n'est pas applaudir. Acclamer, en fait, Dieu m'a dit, tu sais, quand tu es en train d'acclamer, oh là là, acclamer, c'est une manière de rendre grâce. Et acclamer, quand tu acclames Dieu, tu es en train de dire à Dieu, bravo. Et tu sais, dans un stade, plus tu acclames les joueurs,
plus ils ont encore envie de se déployer. Plus tu acclames Dieu, plus tu te dis, tu n'as pas encore vu toutes mes facettes. Je vais continuer de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu demandes ou penses, par ma puissance qui agit en toi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est apparu. Je le vois sur ta vie, le doigt de Dieu. Il n'a pas fini avec toi. Non. Je t'annonce que de ta vie sortiront des œuvres qui vont causer l'étonnement. Et cabaret, on sait qu'est parlé. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je finis parce que j'entends des conversations. J'entends des conversations à venir. Ils vont voir ce que Dieu aura fait de toi. Ils vont voir ce que Dieu aura fait par toi. Parce que lorsque tu as construit la maison de Dieu, Dieu te construira toi aussi. Et j'entends des démons se faire réprimander. Mais on vous avait demandé de le bloquer, de l'enchaîner, de le faire échouer. Vous aviez été mandatés, vous les geôliers, pour faire en sorte que ce que ses ancêtres ont vécu, ce soit la même vie et en pire. Pourquoi est-ce qu'il vous a échappé? Pourquoi est-ce que il est en train de démolir, il est en train de démolir notre royaume. Ils sont en train de faire un carnage, ils sont en train de libérer les prisonniers, ils sont en train de libérer les âmes, ils sont en train de libérer les âmes, ils sont en train... J'entends des conversations, des démons qui vont se faire gronder par leur chef. On t'avait dit de le bloquer dans le rejet, de le bloquer dans la pauvreté, de le bloquer dans la maladie. Pourquoi est-ce qu'il t'est échappé? Et là, je les entends répondre comme les magiciens de Pharaon. On n'a rien pu faire. Oh, on n'a rien pu faire. Ça, c'est le doigt. Ils diront, on n'a rien pu faire, car ça c'est le doigt de Dieu. Oh, si tu crois que c'est ça, ça sera ton témoignage. Ton amen. Amen. Amen comme le tonnerre. Amen. Cette parole m'accompagnera. Amen. Je vois l'enfer déprimé à ton sujet. Amen. La dépression sera le partage de l'esprit de dépression. Amen. Tu seras un sujet de frustration pour l'enfer. Dans le nom de Jésus, amen. Nous avons ainsi prié, amen. Avec action de grâce. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Quelle parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Son serviteur, le pasteur Yvan Castanou, qui nous a donné une parole de feu, une parole de Dieu. Il nous a dit qu'on ne t'entende pas, qu'on ne te connaisse pas à ton bruit, mais à ton fruit. Quelle citation! Que ce soit le partage de ta vie, le partage de ce centre, pas au bruit, mais à ton fruit, et tu porteras du fruit. Il a dit que ce lieu est le quartier général de la piste d'atterritage de la gloire de Dieu. Et alors que nous, alors que vous, vous êtes connectés à ce ministère, connectés à cette vision, votre vie aussi est la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Je reçois cette parole pour ma vie. Que ce soit le votre partage également. Amen. On va prendre place, nous arrivons lentement mais sûrement.
vers la fin de cette première séance, la séance d'inauguration, parce que par la suite, nous aurons 3 sessions, tout à l'heure, ce soir, dans 3 heures, demain, 2 sessions, et ce sera vraiment la conférence de Pentecôte. Comme on l'a dit, c'est une conférence dans laquelle nous allons recevoir. Nous allons repartir avec nos vases remplis. Amen. Je crois que je serai rempli et tu seras rempli, ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. En tout cas, nous tous, nous serons remplis et vous qui nous suivez en ligne également. Amen. Alors, on arrive à la fin. Gloire à Dieu, c'est en espagnol, je parle espagnol. Amen. Vous avez été bénis. Amen, amen. Alors, on ne pouvait pas terminer cette première séance d'inauguration sans bénir Dieu à notre tour. Le pasteur Yvan a parlé de la bénédiction qui s'attache à ceux qui mettent le royaume en premier, ceux qui mettent la maison de Dieu en premier, ceux qui choisissent de construire pour Dieu d'abord. Et vous êtes tous ici présents, sans exception, ces personnes à qui Dieu a pu toucher vos cœurs pour que vous puissiez répondre à ce mandat qu'il a donné à Michael, à Jérémie, à Frank et à toute l'équipe. Et alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes venus aussi avec une offrande particulière. Pour la petite histoire, mon mari et moi, nous sommes partenaires évidemment et nous semons aussi dans les campagnes. Et vraiment, chaque fois que j'y pense, moi personnellement, chaque fois que j'y pense, j'ai la pensée, je me dis toujours, Nadine, tu contribues à quelque chose de tellement plus grand que toi. Tu contribues à quelque chose qui va bénir tes enfants qui sont sortis de ton sein, qui va bénir les enfants de tes enfants, les générations après. Si Jésus ne revient pas, ces générations seront bénies au travers de ce que moi j'ai pu faire, de ce que toi tu fais. Alors lorsque tu donnes, que tu aies ce sentiment dans ton cœur, c'est pour une œuvre, pour quelque chose de beaucoup plus grand. Alors on va tout simplement se disposer à donner. Vous êtes des personnes ici qui soutenez ce ministère et tout simplement nous allons donner ensemble. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont le même sentiment. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils allaient venir à cette inauguration avec un don spécial parce qu'ils voulaient tout simplement bénir Dieu pour les âmes qui seront sauvées au travers de ce ministère. D'autres ont dit, je viens avec une offrande spéciale parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie au travers de ce ministère. J'étais loin de Dieu, je suis revenue au travers des émissions, au travers de ce que j'ai entendu à travers EMCI TV. Peut-être que j'étais malade, j'ai obtenu ma guérison, j'ai obtenu une percée. Dieu m'a fait quelque chose et je veux le bénir en retour. Alors pour toutes ces raisons et bien d'autres, je vous invite à donner. Vous savez, la parole de Dieu dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors tout simplement, en toute simplicité, nous allons nous apprêter à donner. Vous allez voir devant vos sièges, il y a une enveloppe comme celle-ci. Donc devant vos sièges aussi, il n'y a personne devant vous, donc derrière votre siège. Et je vais tout simplement vous expliquer les moyens de donner. À vous aussi qui êtes en ligne, je sais que vous êtes nombreux à être connectés. Je vais vous expliquer les moyens de donner et nous allons pouvoir le faire. Un QR code va s'afficher derrière moi et en scannant ce QR code, vous pouvez vous rendre sur emcitv.com/don. Donc ça vous amène directement sur emcitv.com/don. Donc vous pouvez le faire à partir de vos téléphones ou vous à la maison. Vous pouvez aussi faire cela, emcitv.com/don. Sinon, si vous avez l'enveloppe devant vous, pour ceux qui sont en présentiel, vous pouvez tout simplement la remplir, remplir vos données et cocher le mode de don que vous voulez faire. Vous pouvez le faire par chèque à l'ordre de EMCITV. Vous pouvez le faire en espèces. Il y aura des paniers qui vont passer pendant le temps de le chant de célébration. Donc, vous pouvez le remettre à ce moment-là. Vous pouvez le faire par virement Interac. Pour ceux qui sont ici au Québec avec des comptes bancaires canadiens, l'adresse est Interac, donc santé, Interac, à commercial emcitv.com, Interac, à commercial emcitv.com. Si vous avez besoin de donner un mot de passe, mettez tout simplement emcitv en minuscule. Et donc, voici les moyens de donner. Le dernier moyen va être par carte bancaire, donc crédit ou débit, si vous voulez le faire de cette manière-là. Il y a un point d'info à l'arrière, à la sortie, pardon, le point d'info. Vous pouvez vous rendre après la célébration pour faire votre don de cette manière-là. Donc, je récapitule. La manière la plus simple sera tout simplement d'aller sur emcitv.com/don sur le code QR et vous allez pouvoir vous rendre pour faire ce don. Alors que vous avez vos enveloppes, nous allons tout simplement prier pour ces offrandes. Nous allons tout simplement implorer la grâce de Dieu, comme pasteur Yvan l'a pu le faire, qu'il a dit les démons vont être stressés à cause de toi. Nous allons invoquer la grâce de Dieu sur ces offrandes et clôturer rapidement ce programme. Seigneur, merci pour ton peuple qui est monté dans ta maison. Merci pour l'unité. Merci pour ces frères et sœurs qui sont là. Seigneur, comme tu nous l'as dit à travers de la bouche de ton serviteur,
alors que nous avons mis en premier ton royaume, alors que nous avons cherché ta justice, tu nous donnes en plus. Seigneur, je prie que cette offrande soit agréée de toi. Merci pour celui qui sème aujourd'hui. Merci pour celui qui vient avec une offrande de reconnaissance comme ce lépreux qui venait. Merci pour celui qui vient en disant « Oui, EMCI m'a tellement béni. EMCI a marqué ma vie. Je veux aussi semer dans cette terre fertile. » Merci pour celui qui sème pour les âmes parce qu'il a l'amour des âmes. Et il veut que le royaume avance, que l'œuvre soit encore plus grande par tous les projets qui ont été mentionnés tout à l'heure. Merci Seigneur parce que tu honores aussi cette offrande. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Agrée ces offrandes et fais-nous du bien parce que tu es un bon Père qui prend soin de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons célébrer le Seigneur avec Déné et Jean-Jean pour un chant de réjouissance et les paniers vont passer avec les placis. Merci.
prophète. Il est le Dieu fidèle. Et nous chantons. Amen. Tu fais. Alléluia. Et nous chantons. Te réjouir, je ne vois pas le peuple de Dieu se réjouir. Hey, puissant est son nom, c'est Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, allez, allez, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut vous entendre chanter? Puissant est son nom, c'est Alléluia. Si puissant est son nom. Nous arrivons au terme de cette première séance d'inauguration. Vous pouvez prendre place alors que je vais faire les dernières annonces pour terminer cette première session tellement glorieuse. Waouh, la présence de Dieu est ici. Alors qu'il chantait, je me disais, waouh, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie de Dieu est notre partage. Alors je vous fais les petites annonces pour la fin de ce programme et annoncer le programme suivant. À vous qui êtes en ligne aussi, nous pensons à vous. Je sais qu'il y a le décalage pour plusieurs d'entre vous par rapport au pays dont, où vous êtes alors que vous nous suivez. Mais nous avons une autre session dans 3 heures. Donc si vous pouvez vous connecter, sinon les sessions seront évidemment disponibles en replay. Alors les petites annonces pour la fin de cette plénière, nous aurons la deuxième plénière, l'ouverture des portes est à 19h30, la plénière est à 20h, c'est une plénière de Pentecôte, nous allons prier pour vous, comme j'ai dit tout à l'heure, pasteur Marcelo Tounassi va apporter la parole, Jérémy Sourdril va apporter la parole, Franck Poulain va apporter la parole, ça va être extraordinaire, donc soyez au rendez-vous, soyez à l'heure pour que nous puissions vraiment vivre ce temps ensemble. Pour les partenaires, donc les partenaires qui ont acheté leur billet, lorsque vous êtes inscrit, il y avait la possibilité d'acheter le billet repas à la grillade. Donc pour vous qui avez acheté le billet pour le repas, donc rendez-vous à la grillade après cette séance pour pouvoir manger. Pour ceux qui n'ont pas pris de billet, il n'y a pas de possibilité de se présenter à la grillade pour acheter sur place. Par contre, dans vos feuillets, dans le cahier de la conférence, on vous a donné plusieurs informations, plusieurs choix de restaurants dans la région que vous pourrez aller, vous rafraîchir à cet endroit-là. Nous vous encourageons. On nous a dit que nous sommes dans Granby. Nous sommes cette lumière, ce sel dans Granby. Alors que les 1000 personnes allaient aller dans les restaurants de Granby, nous vous encourageons à témoigner à l'amour de Dieu. Ça se peut que le service soit plus long parce qu'on est nombreux, mais nous sommes aussi des représentants de Jésus, même si on a faim. Alors, alors on va se retrouver donc tout à l'heure. J'aimerais remercier encore Dena et Jean-Jean et tout l'équipe musicale.
J'aimerais remercier tous les intervenants que nous avons eus cet après-midi. Pasteur Yvan, Maman Chantal Barry, Éric Célérier, Docteur Moussa Touré, tous les intervenants qui étaient là cet après-midi. Un grand merci à vous tous qui étaient connectés en ligne. Un grand merci d'avoir été participés à cette inauguration du Centre EMCI, cette première session de la conférence Pentecôte 2023. Je vous dis à tout à l'heure, que Dieu vous bénisse.